Mais regardez ça les gars! Bah y'a Blue et Mino en train de danser devant le McDo tranquille! Oh, let's go! Regardez ça les gars! C'est véritablement le menu à Pipi le Blue! Vous avez déjà sûrement entendu parler de la toute nouvelle série animée Blue! C'est ni plus ni moins un carton en ce moment, je vous le dis! Elle est diffusée de partout et de partout! Et cette série est à propos du chien Blue! Il a 6 ans et il est accompagné de toute sa famille et ils le suivent dans toutes ses aventures complètes. Folle, vous allez voir, c'est des scènes de ménage à mourir de rire. Il y a Bandy, le père de Blue-ay. Il y a aussi Chili, la mère de Blue-ay. Et il y a également Bingo, qui est la sœur de Blue-ay. Et je crois que je dois vous l'avouer, les gars, mais je suis complètement tombé accro de cette série. J'arrive pas à m'en passer, je fais que d'enchaîner les épisodes tout le temps, tout le temps. Et je suis même tombé dans une obsession où j'aimerais les retrouver dans la vraie vie. C'est pour ça que je suis équipé du drone. Et puis d'abord, si vous vivez dans une grotte et que vous ne savez pas du tout ce que c'est que la série animée des Blue-ay. Alors bah regardons un extrait, vous allez voir c'est plutôt pas mal. Allez regardez, allez let's go. Oh regardez. Calme-toi un peu. Oh la jolie banane. What? Papa, est-ce qu'il va y avoir une scène avec de l'orage dans notre film? Pas impossible. Oh. Tu es sûr d'être prête à voir un vrai film de cinéma? Oh, tu es une petite fille, je crois que là, Blue-ay a peur de l'orage. Ouais, il a peur de la foudre. Je crois qu'ils vont regarder clairement un film d'horreur où il y a l'orage et la foudre. Mec, ils sont chauds, la famille Blue-ay. Ça fera donc $54. Ok, ok, ok. Franchement, moi je kiffe regarder les films d'horreur, mais je crois que la famille Blue-ay, je crois qu'ils vont pas du tout assumer. Est-ce qu'il y a des passages qui peuvent faire peur? Oui, dites, est-ce qu'il y a des passages qui peuvent faire peur? Eh bien oui, il y a un gros orage à la fin du film. J'imagine que ça peut effrayer certains enfants. Oh, je fais sans doute partie de ces enfants-là. Écoute, je pense qu'ils devraient pas regarder ce film-là. Ils vont vraiment, vraiment avoir peur. Oh, regarde, ils rentrent dans le cinéma. Oh là là, ça va être chaud. L'orage a déjà commencé. Notre film n'a pas encore démarré. Déjà rien qu'il rentre dans la salle de cinéma, déjà il est en flip. C'est pas une bonne idée pour toi, Blue-ay. Oh non, non, non. Oh là 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 là. Il est en panique. Il est clairement en panique dans la salle de cinéma. Regardez, il a les yeux fermés. Il garde les yeux fermés, il veut pas regarder. Oh là là, ça va être une catastrophe. Je crains le pire. Oh, il y a l'orage. Non, bon, c'est d'accord. Oh, oh. On va y aller, Bingo. Ça y est, terminé, fini la séance de cinéma. Il y a l'orage, ça traumatise Blue-ay. Oh là là, et puis Bingo fait n'importe quoi, elle fait plein de bêtises dans la salle de cinéma. Oh non, c'est juste une catastrophe dans la salle de cinéma, non mais sérieux quoi. Mec, allez, bon, ça y est, on a assez regardé. Moi maintenant, équipé du drone, on va essayer de se mettre à la recherche de la famille Blue-ay. Allez, on va à la voiture et let's go. Ok, ça y est les gars, alors j'ai pris la voiture. Regardez, tout est prêt, la télécommande, le drone, tout ce qui va bien les gars. Et le décollage est imminent. Le drone est en action et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement survoler le McDonald's. Oui, je vous l'ai bien dit les gars, Blue-ay n'est pas un petit chien comme les autres. Non, lui, il raffole du McDonald's. Mais ouais, non mais les gars, ça en vrai ça nous fait un point commun. Parce que moi aussi je raffole du McDonald's. Allez ça y est, maintenant nous voilà aux abords du McDonald's. Et oui, nous y est les gars. Je crois que j'ai tellement regardé des épisodes de la série animée Blue-ay que maintenant j'ai carrément l'obsession de le retrouver dans la vraie vie. Franchement là ça serait tout juste incroyable sur la chaîne YouTube. Tiens les gars, ce serait une bonne idée aussi de se concentrer au niveau du parking du McDonald's. Et bah ouais, voyons voir, mais moi je vous le dis les gars, si je trouve Blue-ay dans la vraie vie, je le prends, je l'adopte. Oui, je veux adopter Blue-ay. Et d'abord, je pense que je serai complètement le seul à avoir adopté un chien bleu. Ça, c'est sûr et certain. Allez, petit Blue-ay, où es-tu? Les gars, je suis sûr qu'il y a vraiment moyen de le trouver aux abords du McDonald's. Ça, j'en suis sûr. Oh les gars, regarde, vous voyez ce que je vois là? Il y a Blue-ay et sa petite sœur. Et oui, il y a la petite sœur de Blue-ay, c'est Bingo. Il y a... Oh là là là, non, mais les gars, je le savais que je pouvais les trouver aux abords du McDo. Oh, écoutez les gars, ils font que d'aboyer et encore aboyer. Mais c'est bizarre ça. Mais je crois qu'ils sont perdus et ils cherchent après leurs parents. Bah oui, bah ça c'est possible. Où sont-ils passés? Attendez, je vais rester encore posté pas très loin du parking. Je vais rester à côté du McDo, on va rester comme ça. Oh bah là, regardez le... Oh là 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 là, attends, ils sont où? Ils sont partis où? Ils sont passés où? Non,
Ah, ils sont partis de l'autre côté, de l'autre côté. Attendez, attendez, non, 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 je veux pas les lâcher. Clairement, je ne veux plus les lâcher, les gars. D'abord, déjà, je veux essayer de comprendre la situation. Parce que j'ai comme l'impression que Blue Way et sa sœur Bingo sont dans une très mauvaise situation. Je crains le pire. Je ne sais pas pourquoi, les gars, mais alors là, attention. Mais... Bah non, pas du tout. Regardez. Mais quoi? Mais regardez ça, les gars. Mais il y a Blue Way et Bingo en train de danser devant le McDo, tranquille. En fait, tout a l'air de bien se passer. En fait, je m'inquiète pour rien, moi. Tout va bien, tout se passe bien. Tout va pour le mieux. Bah en fait, qu'est-ce qui peut expliquer leur joie, là, comme ça? Parce que ils ont l'air très, très heureux. Ils pètent la forme, là, pour le coup. Non, mais... Ah, mais attends, j'ai peut-être une idée dans la tête. Peut-être qu'il y a une collaboration spéciale avec le menu Happy Meal et toute la famille Blue Way. Et c'est ce qui peut expliquer la joie de Blue Way et de sa sœur Bingo. Bon, eh bien, let's go, les gars, je vous le dis, j'ai investi le McDonald's. Et les gars, on va passer commande là tous ensemble, les gars, et on va bien voir s'il y a vraiment une collaboration avec la série animée Blue Way. Oh, je suis stressé, je ne sais pas pourquoi je suis stressé. Regardez, les gars, j'approche des bandes pour commander. C'est juste là, juste ici, les gars. Alors oui, bonsoir, j'aimerais savoir si il y a la disponibilité d'un Happy Meal spécial avec la série Blue Way. Oui, bonjour, bienvenue chez McDonald's. Alors oui, nous possédons actuellement la toute nouvelle collaboration Blue Way. Non, non, j'y crois pas, mais question, petite question, est-ce que cela vient avec un jouet spécial ou bien un livre spécial, je sais pas? Oui, bien sûr, cela vient avec un jouet spécial surprise. Intéressant, intéressant. Mais je vais vous prendre un menu spécial Happy Meal Blue Way. Et puis ce sera tout, ce sera tout. Très bien, avec ceci vous désirez frites, nuggets, cheeseburger, dites-moi tout. Alors, ça va être simple, hein. Je vais vous prendre frites, voilà, la base. Je vais vous prendre cheeseburger. Et en boisson je prends un Coca-Cola, voilà. Et je choisis le jouet, le jouet, le jouet. Très bien, votre commande est bien validée. Vous pouvez dès à présent aller la récupérer au prochain. Maman, let's go les gars, faut aller récupérer la commande. Bon, je fais le tour les gars, je récupère la commande et on découvre ça tous ensemble. Oh, ça va être fou furieux. Allez, oh, let's go. Regardez ça les gars, c'est véritablement le menu Happy Meal Blue Way. Franchement, j'aurais jamais pu penser pouvoir récupérer le Happy Meal Blue Way. Là, c'est une dinguerie les gars, il est maintenant entre nos mains, on va le découvrir tous ensemble. Oh, allez, je suis curieux, je suis hyper curieux les gars. Oh, attendez, ça c'est mon téléphone qui sonne ça. Oh là 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 là, mais qui peut me déranger au mauvais moment? Attendez, je cherche mon téléphone, Ah, il est là, oh, les gars, regardez. Mais il y a Blue Way qui m'appelle. Quoi? Attendez, tiens, tiens, ça c'est étrange. Je veux répondre, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça a raccroché, ça a raccroché tout seul les gars, c'est... Mais non, là j'ai peur, je sais pas pourquoi j'ai peur. Je ne sais pas si je devrais rester ici, là, aux abords du McDonald's. Au pire, c'est pas grave. Moi, je veux surtout maintenant, tout de suite, découvrir la collaboration Blue Way. Les gars, allez, je l'ouvre, vas-y, c'est bon. Oh, waouh, waouh, les gars, à peine j'ouvre la boîte du Happy Meal, d'un coup, il y a une odeur qui se dégage. Ça sent beaucoup, beaucoup la nourriture pour chien. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Attends, les paquets de frites, le paquet de frites déjà. On commence par le paquet de frites. Attendez, par contre, c'est super bizarre, mais les gars, c'est pas des frites qui dépassent du sachet, mais c'est comme des petits os à mâcher, regardez. Il y a plein de petits os à mâcher, mais quoi? Mais c'est certainement pas de la nourriture appropriée pour les humains, ça, les gars. C'est plutôt pour les chiens. Non. Oh là 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 là, mais non, c'est pas possible. Quoique, attendez, c'est peut-être comestible. Je vais peut-être essayer d'en goûter un, je vais tester pour voir... Ah non, c'est trop dur, ça a même pas de goût en plus. Ah mais non, non non les gars, c'est pas comestible du tout ça. Non 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 non, attendez, il est vraiment chelou ce menu les gars. Le sandwich, les gars, le sandwich. Tiens, ça c'est intéressant le sandwich, je veux voir comment ça se présente. Les gars, ok, attention, attention. Le sandwich a l'air déjà bien bien blindé, regardez. Mais je vais l'ouvrir, on va vérifier déjà. Mais regardez ce qu'il y a dans le sandwich, les gars! Des friandises en forme d'os pour les chiens, encore une fois! Ou quoique, peut-être que c'est comestible, peut-être que c'est adapté pour nous, la nourriture humaine. Je veux goûter, attends. Ah! Oh non, attendez, c'est pas terminé les gars. Dans le Happy Meal, on le sait, il y a toujours un jouet spécial. Moi, je veux trouver le jouet spécial. Oh, intéressant, attendez. Très très intéressant les gars. Qu'est-ce que j'y retrouve? Regardez. Oh, mais les gars,
C'est un chien-chien en forme de Lego. Regardez, ouf, 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 ouf. Et regardez, en plus, il a dans les papattes une petite friandise. Hop là, regardez ça. Mais je crois que les gars, c'est carrément Blue Whale, mais en Lego. Mais c'est une dinguerie, hein. Ça, je valide. Regardez comment il est stylé avec ses petites oreilles là et tout là. Ah là, les gars, ça, je veux le garder. Je veux le garder, ce jouet Lego. Mais attendez, c'est pas tout, c'est pas tout, les gars. Oh, mec, il y a carrément même des figurines Blue Whale. En plus, les gars, je crois que c'est Bandit. C'est le papa Blue Whale. C'est le papa de Blue Whale. Oh, let's go. Mais je crois qu'il est en Lego. Et c'est pas fini en plus, c'est pas terminé. Attendez, je vais tous les sortir, les gars, c'est une dinguerie. Oh, regardez-moi tout ça, les gars. Là, je crois que c'est la maman de Blue Whale. Oui, 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 oui. Là, on a la petite sœur de Blue Whale. Oh, trop mignon. Trop, trop, trop mignon. Et là, on a Blue Whale en personne. Ils sont tous en mode Lego. C'était clairement les jouets McDo à collectionner, les gars. Là, tout cela, je vais tous les garder. Et oh, attendez, mon téléphone qui sonne. Quoi, encore? Mais quoi? Encore Blue Whale? Mais quoi, sérieux, encore Blue Whale qui m'appelle? Oh, ouais, ouais, chelou, chelou, chelou. Allô, Blue Whale? Eh ben... Okay, c'est encore moi, Blue Whale. Je te rappelle pour que tu as commandé mon menu à 3h du matin. Et pour cela, je te réserve une méchante petite surprise. Attends, 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 tu me fais peur, Blue Whale. Sérieux, c'est quoi le délire? Petit indice, regarde tout autour de ta voiture et plus précisément sur le capot. Il y a une petite surprise. Ça a raccroché. Attendez, mais vous avez entendu ce qu'il me vient de me dire? Il me demande de vérifier le capot de ma voiture. Mais qu'est-ce qui se passe sur le capot de ma voiture? Purée, ça me fait peur. Attendez, 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 les gars, je prends la caméra avec moi au cas où il se passe quoi que ce soit. Allez, tout sera filmé, tout sera enregistré, les gars. Et allez, je sors de la voiture, on va vérifier tout ça ensemble. Ça me fait très peur, ça me fait vachement peur là, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ma voiture, elle est très bien, ma voiture, les gars, regardez. Attendez, qu'est-ce qu'il y a sur le capot de ma voiture? Oh, regardez sur le capot de la voiture là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que je retrouve là, les gars? Mais je crois que c'est clairement une énorme peluche Blue Whale. J'ai peur, j'ose même pas la toucher. Je sais pas ce qui peut se passer, les gars. Mais attendez, bon, je vais la prendre, je vais essayer de la prendre. Ok, ok, je la prends, ouais, je la prends, je la prends. Les... Waouh, c'est une giga peluche Blue Whale. Mais attendez, attention, restons prudents quand même. C'est probablement une peluche piégée ou je ne sais quoi, moi, les gars. Je retourne dans ma voiture, je retourne dans la voiture. Je me mets en sécurité, les gars. Non, mais attendez, je stresse. Les gars, j'ai récupéré la méga peluche Blue Whale. Je la mets comme ça à côté de moi. Pas bouger, pas bouger. Waouh, 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 je stresse. Je ferme la porte de la voiture. Je ne sais pas quoi faire. Franchement, je ne sais pas quoi en penser. Peut-être que la peluche, elle peut parler ou peut-être que... Attendez, si j'appuie sur son ventre comme ça, est-ce que ça parle pas? Oh! Oh, waouh, wow, wow. Ok, ok. Je vais bien la garder sous surveillance, cette peluche là. Je la mets juste là, les gars, voilà. Et on va bien bien la conserver. Mais peut-être, pourquoi pas, dans les prochaines vidéos, expérimenter la peluche. On pourrait y faire plein plein de choses avec. Et j'ai même l'idée qu'on pourrait l'ouvrir. Oh, aïe, aïe. Et ouais, ça peut être incroyable. Voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette peluche et tout, ça peut être très très intéressant. Bon, pour l'instant, on s'arrête là. On se laisse sur tout ça, les gars. A few moments later. Let's go, les gars, je me suis équipé du ruban adhésif. On va l'attacher, le ligoter. On va prendre un maximum de précautions. On a bien compris que sur le site du dark web, les peluches comme ça pouvaient se réveiller à l'heure de 3h du matin. Alors c'est pour ça que je suis obligé de l'attacher, les gars. On attache les jambes, les pieds, les bras, tout partout. Voilà, comme ça. Voilà, mec, j'attache tout, non? Mec, allez, comme ça, et c'est bon. Là, il bougera plus, hein. Allez, que les choses sérieuses commencent, mec. Je suis surexcité. Oh, ça va être une dinguerie. Eh, vas-y, 3, 2, 1. Oh, allez. Ok, pas mal, pas mal. Eh, on va le finir au ciseau, les gars. Allez, vas-y, vas-y. En plein milieu, comme ça. Allez, allez, allez. Mec, oh là, je pense qu'on a fait une belle incision. Maintenant, il s'agirait de retirer toute la mousse. On va retirer un maximum de mousse, les gars. Voyons voir ce qu'on peut y trouver à l'intérieur. On retire vraiment toute la mousse, les gars, là. Mais oh, j'ai les mains toutes bleues. Le sang de Blue Whale de couleur bleue. Mais attendez, il y a quelque chose là, les gars. Je crois qu'il y a quelque chose là qui ressort du ventre de Blue Whale. C'est quoi ça? Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est quoi? C'est une blague, j'arrive même pas à le sortir. Attendez. Oh, oh non. Oh mec, quoi? C'est la tête de Chase, la patte patrouille. Il s'est fait bouffer.
fait par Blu-ray. Mais ce sont des peluches très virulentes. Voyons voir ce qu'on peut y retrouver d'autre. C'est intéressant là. Vas-y, on continue. Attends, mais regardez, en plus, il y a de plus en plus de mousse qui ressort. Ça veut dire qu'en vrai, il y a peut-être probablement d'autres trucs encore. Attends, c'est quoi ça? Et regardez, il y a une petite papote. Il y a une petite papote. Non, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Attendez. Oh non, les gars, non, c'est le restant du corps de Chase de la Pat Patrouille. Il s'est carrément fait bouffer de la tête aux pieds. Ah, c'est horrible, mais les gars, mais qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Vas-y. Et là, je pense que c'est bon. On s'arrête là pour Blu-ray. Ok, mais maintenant, les gars, je vous le dis, c'est d'autant plus intéressant d'ouvrir la peluche bingo de la famille Blu-ray. Allez, let's go. Mec, on va l'ouvrir celle-là aussi. On va pas l'épargner. Non. Et je prends le couteau et on attaque. Allez, coup de couteau en plein milieu du bide. Allez. Voilà. Oh mec, on a déjà fait une belle incision. Attendez, j'arrache avec la main. Oh, regarde, il y a plein de mousse qui sort. Oh là là, mec, c'est une dinguerie, je retire toute la mousse. Voilà, on lui vire toute la mousse, les gars. Oh mec, attends, je crois qu'on tient quelque chose d'intéressant là. C'est quoi ça? Attendez, mais les gars, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je trouve? Non, c'est une blague. La tête de Zumba de la Pat Patrouille, il s'est fait bouffer lui aussi. Mais c'est horrible. Ah là, les gars, c'est une dinguerie cette vidéo, mec. Je pensais pas qu'on pouvait y trouver tout ça, mais il a rigolé. Mec, attends, vous avez entendu là? Mais on lui a carrément découpé le bide et je crois qu'il est encore en vie. Vas-y, let's go. Attends, il y a de la mousse qui continue à sortir comme ça de la peluche. Oh mec, ça veut dire qu'il y a encore des choses bizarres. Je continue à retirer toute la mousse, les gars. On continue. Attends, il y a un truc là. C'est quoi là Attends. Je vais le retirer. Attends, je tire dessus. Attends, allez. Oh purée, c'est pas possible. Oh non. Oh mais regardez, il y a le restant du corps de Zumba de la Pat Patrouille. C'est carrément fait arracher la tête. Mec, ça veut vraiment dire qu'il y a une vraie rivalité entre la famille Blu-ray et la Pat Patrouille. Oh, regarde l'étendue des dégâts. Oh mec, c'est dingue, regarde-moi les têtes de Chase et de Zumba, mec. Oh, je peux pas me voir ça, mec, c'est chaud. Oh mais mec, attendez, en attendant les gars, par contre, moi ce qui m'intrigue le plus, c'est ce qu'on a pu retrouver là. Regardez, le petit panier là, la gamelle avec les friandises. Et en plus je vous le dis, les chiens ont des odorats très développés. Là, ces friandises, ils pourraient les sentir à des kilomètres. Ça pourrait forcément l'attirer. Ça peut être intéressant en vrai. Je pense que ça peut être très intéressant. Et vous savez quoi? Je prends la gamelle remplie de friandises, le petit panier de Blu-ray, et je vais le déposer tout juste devant l'entrée de la porte-fenêtre. La porte, je vais ouvrir la porte qui conduit jusqu'à la terrasse, les gars. Allez, on ouvre et je dépose ça juste devant. Enfin, regarde, je mets ça là, comme ça, le panier, la petite gamelle de friandises, et je laisse exprès la porte ouverte. Comme ça, il aura l'entrée libre. Ça peut être un truc de fou. Moi, je vais me cacher, par contre. Je vais pas rester là. Non. Je vais m'enfermer dans ma chambre et je vais consulter les caméras de surveillance. On va bien voir ce qui s'y passe. Venez avec moi, venez. Vas-y, je ferme la porte. Allez, je me mets sur le téléphone, sur les caméras de surveillance de toute la maison, et on se regarde ce qui se passe. A few moments later. Oh, attendez. Oh les gars, mais Blu-ray, et Blu-ray, non, mec, oh non, attendez, mais les gars, j'ai peur, par contre j'ai un petit peu peur, ça peut forcément être Blu-ray.exe. Attendez, je change le plan de cam de la caméra. Ok, intéressant. Ah là, intéressant, on a une vue parfaite sur le salon. Là, voyons voir ce qui se passe là. Oh my god. Les gars, il y a Spooky. Que fait Spooky? Mais pourquoi est-ce qu'elle descend jusqu'au salon? Ah, attends, elle a sûrement entendu du mouvement. Elle doit sûrement s'interroger. Elle doit rien comprendre, là, je crois. Elle doit même pas savoir ce qui se passe, en fait. Mais... je crois qu'elle a vu quelque chose, là. Je crois qu'elle s'est sûrement aperçue de la présence de Blu-ray. En plus, je crois que, les gars, j'ai oublié, mais Spooky a clairement la phobie des chiens. Et pour le coup, là, je crois qu'elle est en flip. Elle stresse. Non. Mec, attendez, je dois absolument voir ce qui se passe, là. Ça doit être drôle. Forcément, c'est drôle, les gars, là. Attendez. Les gars, je retourne au salon. Je crois que je vais monter jusqu'à l'étage. On va aller quand même voir Spooky. On va quand même essayer de la rassurer. Hey, Spooky! Non! Spooky! Spooky! On l'entend crier, c'est sûr, c'est Spooky qui crie! Elle est en détresse! Spooky! Rob Deck, au secours! Rob Deck, je suis complètement tétanisée! Je viens de me faire attaquer par un chien enragé et très violent! Il avait les gencives rouges! Il voulait m'attaquer!
fait. Regarde, je me suis fait mordre par le chien. Aïe, aïe, aïe. Au secours. Là, t'es blessé, t'es gravement blessé. Mais oui, regarde. T'as mordu partout. Mais oui, oui. Mais regarde, attends, Optec, regarde la fenêtre. Oh ouais, mais oui, c'est ouvert, t'as raison, il est là. Attends, viens voir, viens voir, viens voir. Il a sauté la fenêtre là, comme ça, direct. Il a sauté par la fenêtre comme ça, comme un voleur, Optec. Laisse-moi regarder, laisse-moi regarder. Non, mais y'a rien là, y'a pas de chien là, y'a Spooky. Non, faut fermer la fenêtre, vite, vite, vite. Oui, 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 allez, 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 on ferme la fenêtre. Oui, oui, c'est bon, faut tout verrouiller, faut tout boucler. Allez, hop. Oh, Optec, je te jure que je suis traumatisée. Regarde ma jambe, elle est ensanglantée. Je te fais un pansement, bouge pas, hein. Bouge pas, je te mets un bandage, hein. Bon, c'est un peu du papier toilette, mais c'est pas grave, j'ai que ça sous la main, les gars. Mais Optec, ça va pas bien marcher, il faut un vrai bandage, non? Mais non, regardez Spooky, voilà, là, comme ça. Là, tu vois, ça va cicatriser tout seul. Mais il faut pas toucher à la blessure, d'accord? Ok, ok, ok. Ok, bon, bah, les gars, là, pour le coup, c'est critique, là. Mais d'ailleurs, le chien, il était tout bleu, il avait les dents super pointues. Mais d'ailleurs, je me demande comment est-ce que c'est possible qu'il y ait un chien dans la maison. Tu sais très bien que j'en ai la phobie. Qu'est-ce qui s'est passé, Roptek? Ça, je peux pas t'expliquer, je peux pas te dire. Mais... Aïe, 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 aïe. Mais en fait, Roptek, je sais pas, mais qu'est-ce que tu fais, là? T'es en train de faire une vidéo, c'est ça? Moi, une vidéo? Non, je t'avoue. J'ai rien fait, j'ai rien fait. D'accord, d'accord, c'est ça, hein. Bon, allez, laisse-moi, moi je vais aller me reposer. Allez, bonne nuit, bonne nuit. Ouais, ouais, alors là, j'ai complètement perdu le contrôle de la situation. Et pour le coup, Spooky en a subi les conséquences. Là, je suis un petit peu désolé, je me trouve un petit peu confus, les gars, dans cette situation. Là, franchement, c'est clairement de ma faute. Tout ce qui s'est passé là à l'heure actuelle, c'est ma faute, les gars. Mais ouais, bon, en tout cas, là, ce qui s'est clairement passé, c'est que bah là, Spooky vient clairement de se faire attaquer par Blueray.exe. Ça, c'est sûr et certain. Et je pars de la maison, je suis obligé de partir de la maison de toute façon. Vas-y, let's go, let's go. Et les gars, attendez. Oh, mais oh la dinguerie. Et les gars, j'ai trouvé Blippi. Regardez. Oh, les gars, j'ai vraiment trouvé Blippi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, les gars? Attendez. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fait, les gars? Mais que fait Blippi? Oh, mais c'est moi où il essaye d'attirer la petite chienne Blueray. Ah ouais, 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 oui. C'est ce qu'il fait, les gars. Attendez, mais il est chelou, Blippi. J'ai l'impression qu'il essaie de dompter la petite chienne Blueray. Mais il a pas le droit. Il a pas le droit, il a pas le droit. Hey, Blippi. 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 Qu'est-ce que tu veux, toi, là? Pourquoi est-ce que tu viens m'embêter comme ça, là? T'as fait fuir la chienne Blueray. Attends, mais qu'est-ce que tu veux faire d'abord? Mais qu'est-ce que... C'est quoi que t'as dans les mains? Mais oh, t'as pas à voir. T'as pas à voir. Oui, c'est des fournisses. Et bah, c'est quoi le problème? Mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Mais rien du tout, rien du tout. Mais attends, mais t'es chelou, toi. Et c'est quoi, ça? Une cage? Une cage pour chien? Mais non, c'est pas une cage pour chien. Non. Attends, Blippi, t'es sérieux ou quoi? C'est moi où tu as essayé de kidnapper la petite chienne Blueray, là? Non, mais ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Non, tu te trompes. C'est ça, ouais. Non. T'as essayé d'attirer la petite chienne Blueray et puis après pour la capturer dans la cage, hein. Mais non, c'est pas du tout ça. Non. Fais pas ce que tu crois, hein. Ouais, c'est ça. Alors là, Blippi, je vais le dénoncer à la police. C'est ça, tu veux kidnapper des petites chiennes? Non, pas du tout. C'est totalement faux. T'as totalement tort. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Je voulais capturer personne. Non. C'est ça. Non, je vais te dénoncer. Mais attendez, c'est moi. Il continue. Regardez. Blippi! Tu m'énerves! T'as pas le droit de faire ça! Okay. Non, si, j'ai le droit! Tu me fais! Tu laisses la petite chienne Blueray tranquille! Non! D'ailleurs, c'est toi qui l'as fait fuir! Non, mais sérieux quoi? T'as pas le droit de la kidnapper! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi faire ce que je veux, d'accord? Et tu me fais! Non! Il devient super violent! Vite, je monte dans la voiture! Vite! Non! Vite, ferme la porte sur la porte! Oh non, il est fou. Les gars, il est complètement fou. Non mais il est pas sérieux. Les gars, il essaie d'ouvrir la porte de la voiture. Arrête, t'as pas le droit. Mais calme-toi. Mais c'est une blague. Oh non, c'est une blague. Il est effrayant, ce Blippi. Non mais c'est sûr, les gars, il voulait essayer de kidnapper la petite chienne Blueray. Et heureusement que je suis arrivé à temps et que j'ai pu empêcher tout cela. Non mais les gars, il est fou. C'est une blague. Attends, mais je vais baisser la fenêtre et je vais quand même lui dire de se calmer parce que là, il va carrément casser ma voiture si ça continue. Attends, je vais baisser la fenêtre. Mais Blippi, tu te calmes.
Non mais non, je me calme pas. T'as fait fuir ma petite chienne Chienne Blue Whale à cause de toi là. Je suis anéanti à cause de toi. Non, à cause de toi là. Non mais calme-toi, arrête, Blippi. Mais d'abord t'as pas le droit. C'est pas ta chienne à toi. Okay. Si c'est la mienne. Non. Et ça s'appelle kidnapper des animaux. Alors toi t'as pas le droit. Non, j'ai pas kidnapper des animaux. C'est mon chien, ma chienne. Non, c'est faux, c'est faux, c'est sûr. Si c'est ma chienne. Et là c'est bon, je suis en colère contre toi. Mais quoi? Tu vas m'aider à retrouver la chienne, d'accord? Mais quoi? Non mais sérieux, mais Blippi, t'es pas sérieux, non mais là tu déconnes hein. Non, je déconne pas, tu vas m'aider à retrouver la chienne Blue Whale. Attends, mais les gars, ils délirent ou quoi? Et comment tu veux que je t'aide à la retrouver hein, c'est ça hein? Je sais que t'as l'habitude de faire des vidéos drone toi, donc sors-moi ton drone là et vite hein. Oui, c'est vrai. Bon bah les gars, je crois que je vais être obligé, OK, Blippi. Écoute, je vais préparer mon drone et on va se mettre à rechercher la petite chienne Blue Whale. D'accord, c'est d'accord. Oui, okay. Arrête de te dépêcher, oui. Allez, je monte dans cette voiture moi. Mais non, tu montes pas dans ma voiture quand même. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, il va pas quand même monter dans ma voiture les gars. Mais attends, mais il se croit tout permis. Mais Blippi, tu te crois tout permis en fait? Eh oui, je suis tout permis. Faut retrouver Blue Whale. Mais non, mais attends, mais calme-toi. Vite! Où est le drone? Dépêche-toi. Eh, hey, calme-toi, tu vas carrément casser le siège de ma voiture. Tu te calmes. C'est pas mon problème, il me faut Blue Whale. Ok. Waouh, il est trop énervé les gars. Je crois que là, je vais être obligé de faire du drone. Allez, on se dépêche. Je me dépêche. Ok, les gars, bon, allez. Tiens, Blippi, tiens le drone. Ah ouais, super. Allez, faut mettre ça en route là, dépêche-toi et vite. Oui, j'ai la télécommande, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la télécommande. Allez, on se met à la recherche de la petite chienne Blue Whale hein. Ok, mais attends, Blippi, ce que tu comprends pas, c'est que la petite chienne Blue Whale, bah, elle ne t'appartient pas. Si, c'est à moi, c'est mon chien, non, c'est ma chienne. Non, pas du tout. Si. Non mais attends, mais Blippi, t'es fou quoi? Regarde, y a pas de petite chienne Blue Whale là. Si, cherche bien, t'as un drone, c'est pas pour rien hein. Mais elle est pas là, bah attends, je vais me mettre tout devant le Starbucks, on verra bien hein. Oui, allez là. Oui, bah regarde, je suis tout devant là, regarde, tu vois la petite chienne ou quoi? Y'a rien. Non, y'a rien, mais continue à chercher là, vite hein. Attends, mais là y'a rien du tout mais hein. Mais si, regarde, le bois elle est là. Chienne Blue Whale, Blue Whale. Mais calme-toi Blippi, attends, calme-toi. En plus je l'ai vu, elle était avec Bigo en plus. Ouais. Attends. Allez, de l'autre côté, celui-là là. De l'autre côté quoi? Elles sont plus là. Allez, décale, cherche plus vite là. C'est ce que je fais. Allez, donne-moi le drone là, allez. Mais quoi? Mais t'as pas le droit, non. Donne-moi ça. Mais quoi? Mais t'es sérieux? Attends, mais Blippi, tu sais piloter un drone au moins? Non, pas trop, j'ai un peu du mal. Non, bah attends, bah tu fais pas n'importe quoi, hein, Blippi hein. Retrouve-moi la chienne Blue Whale hein. Ouais, les gars, bah Blippi, je le savais, il sait pas piloter drone, et t'es nul Blippi. Tais-toi, allez chercher la chienne Blue Whale là, allez okay, dépêche-toi. Okay, mais attends, tu veux que je cherche où là maintenant? Bah figure-toi que je sais où habite la famille Blue Whale. Sérieux? Oui. Et survole le terrain athlétique du quartier là. On pourrait probablement les trouver dans cette zone. Bah ok, j'y vais, mais attends, mais c'est loin quand même hein. Non, c'est pas loin, allez, dépêche-toi là. Ok, je me dépêche. Non, non mais Blippi, t'es sérieux, tu deviens fou Blippi hein. Non, je suis pas fou. Attends, je vais retrouver ma chienne. Calme-toi. Là regarde, il y a une maison. Ça c'est la maison de Blue Whale peut-être. Oui c'est ça, c'est la maison de la famille Blue Whale. Oui, c'est ça. Attends, je m'y approche tout doucement les gars. Et là, il y a du mouvement là. Eh ben c'est Blue Whale ça. Oh, il y a Blue Whale. Oui, il y a Blue Whale, effectivement, il y a Blue Whale. Bon allez, moi j'y vais, je vais rejoindre Blue Whale. Non, mais tu restes là. Attends. Mais lâche-moi. Non mais Blippi. Mais t'as pas le droit. J'ai le droit. Attends, j'ai mieux pour toi. Quoi encore? Écoute-moi, j'ai mieux pour toi là. Regarde derrière, juste derrière là. Regarde. Une petite peluche Blue Whale, c'est pas mal ça, non? Oh, merci beaucoup, mais moi je veux la vraie chienne Blue Whale, je veux adopter la chienne Blue Whale, moi! Je m'en fous de ta grosse peluche, elle est nulle! Hein. Attends, mais t'es pas sérieux? Allez, moi j'y vais, je vais rejoindre Blue Whale! Mais attends, mais les gars, il est parti, mais c'est une blague voilà, le fou furieux de Blippi voudrait kidnapper la petite chienne Blue Whale, et ça je peux pas laisser faire. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la petite chienne Blue Whale et je vais la prévenir qu'elle est en danger. Et regardez, je suis vraiment en train d'appeler la petite chienne Blue Whale. Allez, réponds, allez. Pourquoi tu m'appelles? Oh, allô, Blue Whale, ça va, tu vas bien? Bon, je t'appelle parce que là il y a un problème, il y a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe?
Vas-y, dis-moi. En fait, le truc, c'est qu'il y a le fou furieux de Blippi qui veut te kidnapper. Oui, oui. Ah, quoi? Comment ça, Blippi veut me kidnapper? Oui. Oh non. Merci de m'avoir prévenu, Robtek. Merci, tu, merci. Prends garde et fais vraiment, vraiment attention à toi. Et préviens tes parents, surtout. Mets-toi en sécurité. Et surtout, Blue Eye, n'hésite pas à sortir les crocs. Tu peux mordre Blippi jusqu'à qu'il souffre, d'accord? Ok, ouais, ça c'est une bonne idée, ok. Allez, ciao, bon courage. Non, bah voilà les gars, j'ai carrément appelé Blue Eye, j'étais obligé. Non mais là, le malade mental de Blippi, il est hyper dangereux. Et la petite chienne Blue Eye, elle mérite pas ça. Bah non. Oh. Eh, qu'est-ce qu'il fout Blippi là? Attendez, là-bas, qui c'est que je vois là-bas? Les gars, attendez, je crois que là c'est Blippi tout au bout là-bas. Je sais pas si on le voit bien avec la caméra, mais oui, c'est Blippi. Attendez, je mets la vitesse les gars, et on va s'approcher, Attendez, on va aller à sa hauteur. Mais oui, attendez, mais qu'est-ce qu'il fout là? Je crois qu'il y a quelque chose qui va pas. Attendez, on va s'y approcher discretos. Les gars, où est Blippi? Les gars, attendez, où est Blippi? Oh, regardez là les gars, regardez, juste devant là. Oula, il a l'air très très mal en point. Les gars, regardez bien. Blippi, ça va? Non, Blippi. Ça va pas, non. Je vais mordre par tous les chiens. Oh, il m'a mordu et tous les chiens aussi, ils m'ont tous mordu. Qu'est-ce qui se passe pour la fois? Ah, à la jambe en sang. Oui. Mais... c'est à cause de toi tout ça! Mais non, j'ai rien fait moi! Si, c'est sûr, c'est ta faute! Ah, j'ai trop mal, faut que j'aille à l'hôpital, je crois! Mais non, mais Blippi, c'est bien fait pour moi! Mais non! Je voulais kidnapper la petite chienne Blue Eye, elle s'est vengée! Non, ça se peut pas, j'ai trop mal! Ah, il faut que j'aille à l'hôpital! Oh, regardez sa jambe, les gars! Blippi, je crois qu'il est en train de souffrir! Eh ben, ça lui apprendra à essayer de kidnapper les petites chiennes! Ouais, Blue Eye, elle se laisse pas faire! Elle a sorti les crocs. Aïe. Je perds mon temps avec toi. Faut que j'aille le puissage, j'ai trop mal. Bien fait pour toi. C'est juste un sketch. Ouais, ça y est, c'est bon les gars. Je vous jure, Blippi, il m'a épuisé. J'ai besoin d'un petit peu de repos. Là, dès maintenant les gars, je rentre à la maison. Et c'est Oli, au dodo. Vlad? Nikki? Yo! Oh. Mais laissez-moi dormir! Tiens, la caméra, qu'est-ce que j'enregistre aujourd'hui, les gars? Oh, coucou! Oh, les gars, mon téléphone me réveille, vient de me réveiller. Les Vlad et Nikki viennent de m'appeler. Regardez dans mon téléphone, les gars, vous le voyez, j'ai plein d'appels manqués. On m'a appelé au moins 4 fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, ils me rappellent déjà avant. Il y a Vlad et Nikki, ils sont en train de me rappeler. Ok, on répond, on va répondre tout de suite, les gars. Allô? Vlad, Nikki? Oui, c'est moi, oui. C'est qui? C'est quoi? C'est toi, Vlad? Oui, c'est moi, Vlad! Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé au moins 5 fois, là? Je te rappelle que tu m'as réveillé, j'étais en train de dormir! Eh ben écoute, on organise une vidéo 3h du matin! On sait que toi, t'es un youtubeur 3h du matin, t'es trop fort! Tu voudrais pas faire une vidéo avec nous? Mais j'étais en train de dormir! C'est pas le moment de faire de la vidéo, là, aujourd'hui! Non, mais écoute, tu sais quoi? On a même un invité très spécial. C'est qui l'invité spécial? C'est qui? Dis-moi, c'est qui? C'est TV Man. Quoi? Tu connais TV Man? TV Man, est-ce qu'il me dit toilette? Oui, c'est ça. Quoi? Ok, mais vous faites une vidéo quand là? Tout de suite? Oui, là. Ok, je peux venir, mais avec mon drone. Je viens, mais juste avec mon drone, c'est bien? Oui, parfait. D'accord, bon, je m'équipe de mon drone et j'arrive avec le drone, hein. Oh, les gars, surprenant. Bon, il y a maintenant qu'une seule chose à faire, les gars, c'est d'aller s'équiper du drone. C'est fini, on arrête de dormir, les gars. On se retrouve maintenant pour une toute nouvelle vidéo avec le drone. Allez, let's go, les gars. Je vous le dis, je suis très très bien équipé. J'ai grimpé en voiture, les gars, je vous le dis, là, je suis même équipé de mon chapeau de paille. Je suis le roi des pirates. Mais pour le coup, je dois l'avouer, je ne suis pas du tout à la recherche d'un très très gros trésor rempli d'or.
non, je suis plutôt à la recherche de Vlad, de Nikki et encore de Tinyman. Oui, bah oui. Et d'autant plus qu'une vidéo 3h du matin se prépare. J'ai bien envie de savoir ce qui s'y passe. Et bah allez, let's go. Et ça y est, le drone est en action, les gars. Et là, je survole spécialement tout le centre commercial. Regardez-moi cet énorme parking vide. Et c'est pas étonnant, j'ai envie de vous dire, parce qu'il est actuellement 3h du matin, les gars. À cette heure-là, les gars, le supermarché est fermé et tout le monde est au dodo, sauf Vlad, Nikki et TVman et moi-même. Oui, les gars. Oh mon dieu. Attention, attention. Eh, je crois que mon drone a détecté une présence. Oh, là, regardez. Et qui voilà. Oh mon dieu. Je crois bien qu'une vidéo 3h du matin se prépare. Alors là, la question, je vous le dis, c'est de savoir quel type de vidéo 3h du matin ils vont faire là, maintenant, tout de suite. Là, c'est ça que je veux savoir, moi. Mais qu'est-ce qui fabrique? Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Mais vous voyez ce que je vois, les gars, là? Mais attendez, je crois qu'ils sont en train de faire une course de caddie. Celui qui va le plus vite en caddie, les gars. Non, mais c'est pas sérieux. Mais oui, ils ont pas autre chose à foutre. Je suis désolé, les gars. Mais les gars, je crois qu'ils sont en train de faire une vidéo vlog 3h du matin, mais un peu improvisée, où ils font un petit peu tout et n'importe quoi. Mais où? Bah regardez. Mais oui, regardez, ils font mumuse avec les caddies. Non, je rêve. Mais c'est pas croyable, les gars. Non. Oh mon dieu, ils font véritablement une course de caddie. C'est celui qui est le plus rapide en caddie, les gars. Mais oui, oh non, mais là ça suffit, les gars. Je pense qu'il est temps de leur apprendre comment faire une bonne vidéo 3h du matin. Il est grand temps de leur donner quelques leçons. Ouais, moi je vous le dis. Et hop hop hop, ce mois où j'ai perdu leurs traces. Les gars, où sont-ils passés? Où ils ont bien pu aller? Mais je sais. Attends, mais je sais, les gars, c'est facile. Le McDonald's. Au McDonald's, je suis sûr qu'ils sont partis jusqu'au McDonald's. Ah oui, parce que les gars, c'est l'exception. À cette heure-là, tous les supermarchés sont fermés, mais à une seule exception, le McDonald's. Et il reste ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Allez, bon bah avec le drone, c'est direction McDonald's. C'est parti, je perds pas de temps. Allez, on y va. Allez, bon, je vais le faire tout le tour du McDonald's. On va fouiller partout de partout, les gars, sans exception, bien sûr. C'est ce qu'on a l'habitude de faire de toute façon. Et le drone, personne peut y échapper, je vous le dis. On va les retrouver, bah, là, à l'intérieur du McDonald's. Les gars, à l'intérieur du McDo. Oh, voilà Vlad, Nikki et TVman. Mais qu'est-ce qui se prépare? Wow, c'est Happy Meal Party, les gars. C'est Happy Meal à volonté. Oh, mais, oh ouais, let's go. Là, ça sent la bonne petite vidéo Happy Meal 3h du matin. Ah, ça, ça régale. Ça, les vidéos Happy Meal 3h du matin, c'est du sérieux. Ça, on aime bien, les gars. Oh, mais que fait TVman? Qu'est-ce qu'il lui prend par la tête? Regardez, il vient complètement de balancer tous les Happy Meal sur le sol. Je suis pas d'accord, les gars. Non, désolé, mais le Happy Meal, ça se respecte quand même. Non, mais... Wow! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi est-ce qu'il piétine le McDonald's? Non! Mais non, mais pas comme ça! Mais sérieux! Oh là, alors là, je crois que Vlad et Nikki sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord avec ça, les gars. Non, mais là, TVman, il fait n'importe quoi! Non, mais les gars, quelle idée de faire des vidéos 3h du matin avec TVman! N'importe quoi! Désolé, mais moi, non, je ne veux pas participer à ce type de vidéo. Hein. Ah, mais regardez, Vlad et Nikki ont l'air complètement déçus, et c'est normal! Non, mais sérieux, quoi? Un petit peu de respect pour le Happy Meal, quand même! Non, mais... Oh. Wow, ça y est, lui maintenant il a ruiné tout le McDonald's et il s'en va. Non, faut pas laisser faire ça, les gars. Non mais désolé, mais là il a tout fait foirer. Non franchement, il est grand temps de leur donner une grande leçon, les gars. Les vidéos 3h du matin, c'est pas du tout acquis, les gars, c'est du n'importe quoi. Non. Bon, pour le drone dès maintenant, on s'arrête là, ça ne sert plus à rien, les gars. Je veux vous dire que pour le coup là, tout a foiré. Mais on va quand même rester connectés, les gars, au cas où il se passe quoi que ce soit encore au sujet de TVman ou encore des Vlad et Nikki. Eh bien, je n'hésiterai pas à vous faire encore plein d'autres vidéos. Eh ben les gars, appelez-moi Kobe. Oui, s'il vous plaît, appelez-moi Kobe Bryant. Quand même, quoi, je le mérite. Tiens, qui c'est qui m'appelle? Oh non, mais qui c'est qui me dérange en pleine séance de basket, là, comme ça? Vlad, Nikki? Oh, mais pourquoi est-ce qu'il me dérange en plein entraînement de basket, là? Là, attendez, allô, Vlad, Nikki? Un problème, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Wow, d'accord, quel est le problème là? Qu'est-ce qui se passe encore? Eh ben, d'abord, il y a un gros problème avec le youtubeur Kidibli. D'abord, tu le connais, le youtubeur Kidibli, toi? Kidibli? Bien sûr que je le connais. Bah, qu'est-ce qui se passe avec Kidibli? Eh ben, en fait, c'est un youtubeur, il nous a tendu un piège. Il nous a fait croire qu'il voulait faire une vidéo YouTube avec nous. Sauf que quand il est venu jusqu'à nous, il nous a empêché de faire notre vidéo YouTube. Et il a même brisé notre caméra sur le sol. Il était très
Bon d'accord, j'arrive tout de suite. Bon, je m'empresse de retourner jusqu'à la voiture. Apparemment un très très gros conflit entre le youtubeur Kidibli et le youtubeur Vladimir qui tourne très très mal. Alors on se dépêche, on va bien voir ce qui se passe. A tout de suite. Oh, aïe. Alors moi je vous le dis, je suis curieux. Et avec mon drone, on va bien savoir ce qui se passe les gars. C'est bon, paré au décollage. Oui, tout se déroule derrière le terrain de football. J'y vais avec mon drone. Et si j'ai bien compris, du coup ils se seraient apparemment rencontrés pour pouvoir faire une vidéo ensemble. Sauf que ça a viré au cauchemar. Oui, apparemment c'est même parti en embrouille les gars. Yay. Oh bah là, qu'est-ce que je vois les gars? Bah je crois qu'il y a Kidibli, il y a Vlad et il y a Nikki. Wow. La tension est palpable. Oui les gars, apparemment le conflit aurait pris une très très mauvaise tournure. Et là je le sais que ça ne va pas du tout en s'arrangeant. Ah bah non. En plus de ça, c'est la première fois qu'on rencontre le tout nouveau youtubeur Kidibli. Je crois qu'il a même plus de 5 millions d'abonnés les gars. C'est une machine de guerre. Et même que je crois que si je me trompe pas, ce serait même un ami très très proche de Blippi. Alors c'est peut-être bien pour ça qu'il y a déjà un conflit entre Kidibli et les Vlad et Nikki. En tout cas, reste à savoir ce qui peut se produire les gars. En tout cas, moi je suis prêt, je suis avec mon drone. Yo, non, rien, mais regardez qu'est-ce que j'étais en train de vous dire. Yo, je crois que ça va même carrément partir en bagarre générale. Non. Wow, calme les gars, tranquille. Yeah. Non mais je suis en train de me dire qu'on est clairement en train d'assister à une bagarre de youtubeurs en direct. Wow. Non. Quoi? Mais Vlad vient complètement de se prendre un KO. Il bouge plus. Non. Et pareil pour Nikki. Mais ils se sont carrément pris un KO technique par Kidibli. Mais je peux pas le croire. C'est pas sérieux. Ah bah, attention, je crois qu'ils reprennent tout juste leurs esprits un petit peu. Ça y est, ils ont le temps de se relever. Mais wow, qu'est-ce qui se passe? Wow, mais Kidibli, il veut pas lâcher l'affaire lui. Yo, il est vénère. Il a l'air carrément même déchaîné. Non. J'ai comme l'impression que c'est même encore pire que Blippi. Mais oui. Non, mais à mon avis, probablement que Kidibli a été envoyé de la part de Blippi pour chasser et empêcher les Vlad et Nikki de produire leurs vidéos. Ça c'est possible. Les gars, entre youtubeurs, la concurrence n'a aucune limite. Non mais surtout avec Blippi en plus. Wow, que font Vlad et Nikki? J'ai peur. Sincèrement j'ai peur. Attendez, mais je crois que les Vlad et Nikki proposent d'affronter Kidibli sur le terrain de basket. Tiens. Je pense que c'est un bon moyen de s'affronter pour calmer la tension les gars. Mais c'est pas une blague les gars, carrément ça s'affronte sur le terrain de basket. Et ça j'aime bien. Non franchement j'aime bien. Bon, je vous avoue, moi mon sport préféré c'est le football. Mais le basket j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup ça. Wow, attention Vlad, vas-y, envoie. Ah ça c'était sévère les gars. Ah bah bien joué. Mais oui, c'est véritablement donc Vlad et Nikki contre Kidibli. Et là c'est à celui qui marquera le plus de paniers je crois. Alors ça fait déjà 1-0 pour les Vlad et Nikki. Attention. Wow. Il a l'air d'avoir aussi un très très bon niveau. Ouais, ça rivalise fort les gars. On sent qu'il y a de la tension, on sent qu'il y a de la nervosité les gars. On est clairement en train d'assister à une battle de basket entre les youtubeurs Vlad et Nikki contre Kidibli. Attention, yo. Non, raté. C'était pas loin. Ah, c'est passé juste à côté les gars. Non, ça c'est un raté, ça c'est encore un raté. Yo. Ah oui. Attention. Yo, il commence à avoir de la tension. Oh, il commence à y avoir de l'énervement. Yo, regardez, qu'est-ce que je vous dis là les gars? Hey, ça repart même carrément en bagarre sur le terrain de basket là. Non. Ouais, Kidibli s'est carrément fait balayer par terre. Et je vous le dis, c'est sérieux, c'est ce qui vient de se produire à l'instant. Ils sont partis. Bah, Vlad et Nikki viennent de repartir en courant. Yo, oh mon dieu. Non mais les gars, là, sérieux. Ça veut dire que le conflit n'est pas prêt de se terminer, les gars. Mais Kidibli a l'air fou de rage. Mais oui, yo. Oh mon dieu. Attendez, je viens de recevoir un message sur mon téléphone. Qu'est-ce que... Quoi? Mais quoi? Un message de Kidibli? Vlad et Nikki, je veux prendre ma revanche. Je vous donne rendez-vous sur le parking du centre commercial à 3h du matin. Tous les coups seront permis. Bonne chance. Non! En plus, à l'heure de 3h du matin? Alors là, je vous le dis, faut s'attendre au pire! Mais vraiment, les gars! Bon, pour l'instant, il fait pas nuit, les gars, il est pas du tout 3h du matin. On se reprendra dès lors que la nuit sera tombée. Allez, bah, à tout de suite! A few moments later. What? Oh! Hey!
Yo, il est quelle heure déjà? Yo, 3h du matin. Déjà 3h du matin. Il fait déjà nuit. Vous êtes encore déjà là, vous, c'est vrai ça? Aïe. Bon bah je vous le dis, j'ai simplement positionné mon drone tout juste sur le parking du Starbucks. Oui, j'attends là les gars. Et s'il se passe quoi que ce soit, de toute façon, ça nous y échappera pas. Je vous le dis. Les gars, mais ça n'a pas loupé. Attendez, je zoome, il est là. Il y a qui d'Ibli, les gars, il est là. Aïe, c'est un sacré lascar celui-là. En tout cas, ça nous confirme qu'à l'heure de 3h du matin, il est beaucoup plus actif. Et j'ai l'impression qu'il est fou comme Blippi, les gars. Mais ouais. Oh, regardez, on le voit traverser le passage piéton. Mais où il va? Mais celui-là, je vous le dis, on va pas le lâcher de toute la nuit. En attendant, on a comme l'impression qu'il cherche après quelque chose ou bien après quelqu'un. Je ne sais pas, les gars, mais là, franchement, il n'y a aucun doute, il est complètement déchaîné ce soir. On va suivre tous ses faits et gestes. Et là, je me suis positionné au niveau du parking. À un moment donné, il va être obligé de passer par là. Croyez-moi, les gars. Oh, tiens, qui voilà? Bah, qui dit Bli? Coucou, qui dit Bli? Quoi? Bah, voilà qu'on a dès maintenant l'arrivée de Vlad et Nikki. Maintenant que les choses sérieuses commencent. Ok, voyons voir ce qui peut se passer, les gars. Là, je vous le dis, c'est encore plus pire que tout à l'heure. Là, c'est l'heure de 3h du matin. À mon avis, on a vraiment affaire à un Kidibli complètement diabolique. Et pareil pour Vlad et Nikki, je vous le dis, c'est pareil. En attendant, on le sait déjà, les gars, il y a une très très forte tension entre Vlad et Nikki et Kidibli. Yo. Je crois même que ça part carrément en bagarre de rue, les gars. Yo. Non. Oh mon dieu. Non mais désolé, les gars, mais là franchement, c'est une bagarre de rue même sans pitié, sans règles. Et ça veut dire que tous les coups sont permis. Attendez, laissez-moi baisser l'altitude. Laissez-moi m'approcher de Kidibli. Yo. Oh oui, j'ai véritablement baissé mon altitude. Voyons voir. Wow. Non, mon drone. Non, purée, mon drone. Non. Mais quelle idée de baisser autant mon altitude, moi. Déjà, je me suis laissé surprendre. Oh, je l'ai pas vu arriver, j'ai pas réfléchi, les gars. Ok, tout va bien. Même si là, je crois qu'il a carrément brisé la caméra. C'est fissuré partout dans mon écran, mais ça va. Ça m'empêchera pas de continuer la vidéo. Rien ni personne ne nous empêchera, les gars. Et surtout pas Kidibli. Mais je vous le dis, j'ai carrément même l'impression que c'est beaucoup plus pire que Blippi. C'est même carrément un niveau supérieur. Il est beaucoup plus fou que Blippi. Allez, je vous le dis, moi, ça m'empêche pas de retourner jusqu'au parking. Là, j'ai juste... Non. Attendez, mais qu'est-ce que je vois, les gars, là? Ouh, je veux pas le croire. Les gars, vous voyez ce que je vois? Mais Vlad, Nikki, non. Mais je crois que ça se termine en scène de crime. Mais la seule déduction qu'on peut faire là maintenant tout de suite, c'est que je crois bien que Kidibli a complètement assassiné les frères youtubeurs Vlad et Nikki. Non. Oh mon dieu. Mais ouais, mais je suis sûr que c'est Blippi qui est derrière tout ça. Je suis sûr que Kidibli, c'est un envoyé de Blippi pour pouvoir assassiner les frères et Vlad, Nikki. Je sais que Blippi n'a aucune pitié et il est prêt à tout pour éliminer la concurrence. Mais non, je veux pas laisser faire ça, moi, les gars. La personne qui a commis le crime doit être punie. Il doit aller en prison. Oui. Et vous savez quoi? Avec mon drone, je vais enquêter. On va enquêter ensemble. Vous et moi, nous serons le Sherlock Holmes et nous allons trouver qui aurait pu assassiner les Vlad et Nikki. Mais moi, je pense que déjà, je soupçonne très très fortement Kidibli ou bien Blippi. C'est l'un des deux. J'en suis sûr, les gars. De toute façon, ensemble, on va survoler tout le parking à proximité de la scène de crime et on va essayer de retrouver des éléments d'indice pour tenter de retrouver le criminel. J'y suis, les gars. Oh là, je me trouve en plein milieu du parking, les gars. Oh, regardez là. C'est moi, il y a Kidibli là. Et alors là, je vous le dis, je soupçonne directement Kidibli. Ah, je pense qu'il essaie de tout faire pour échapper à la police. Ça, c'est sûr, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, je zoome. C'est moi, il essaye de voler une voiture. Il essaye de voler une voiture en plein milieu du parking. Oui, il a crocheté la porte, les gars. On l'a tous vu. Oui. Mais attends, il s'en va. Mais il prend la fuite. Oh là là, non. Et ouais, mais il fait tout pour échapper à la police. Ça y est, c'est sûr. Regardez, là, on le voit, les gars. Il repart en voiture tout doucement, comme si de rien n'était, pour ne pas éveiller les soupçons. Mais oui, mais nous, avec le drone, on l'a bien remarqué, les gars. Je vous le dis, c'est pas terminé. On va continuer à enquêter, les gars. Et comme je vous le dis depuis alors, on pourrait aussi très très bien soupçonner Blippi. Je pense que Blippi est dans le coup. Oui, ils sont complices. Et vous savez quoi, je lâche pas l'affaire. On se retrouve dès le lendemain. Et on va rester auprès des Vlad et Nikki.
on va toujours les suivre avec notre drone. Et au cas où il se passe quoi que ce soit encore avec Kidibli ou bien Blippi, on va vite le savoir. Bon bah ça y est les gars, je suis équipé et j'ai directement envoyé mon drone dans les airs les gars, exactement au niveau du parc. Comme je vous l'avais dit, c'est toute cette zone qu'on va survoler. Oui oui oui, je vous le dis, je suis en train de quadriller toute la zone. Laissez-moi juste essayer de contrôler mon altitude les gars. Regardez, là je me trouve tout juste à côté du City Stade. Et oh, là regardez. Attendez, si je zoome, je... Hey non. Oh, Vlad et Nikki, ils sont là. Oui, vous le voyez bien les gars, Vlad et Nikki sont aux abords du City Stade. Et voilà les vedettes de YouTube les gars. Ah franchement, ça fait toujours un plaisir de les retrouver avec le drone. Ouh, je sais pas pourquoi les gars, je vous le dis, je commence un petit peu à stresser, un petit peu les gars. Parce que imaginez-vous simplement qu'il y ait l'arrivée de Blippi là, ça serait véritablement comme dans mon cauchemar et le conflit pourrait éclater. Non non, aïe aïe, je crains le pire vraiment. Enfin, en tout cas là, je crois qu'ils sont probablement en train peut-être de faire une vidéo YouTube. Oh, ça serait la folie, ça serait incroyable. Oh, je suis trop content les gars, mais je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont véritablement en train de faire une vidéo de basket les gars. Et ouais, j'ai l'impression que là c'est l'entraînement. Ça, c'est en train d'envoyer des petits paniers et tout. C'est pas méchant les gars. Hey, oh, Blippi. Les gars, Blippi, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fout là, Blippi? Alors là, c'est véritablement comme dans mon cauchemar. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Mais non, il vient littéralement de s'en prendre à Vlad et à Nikki. Il a pas le droit de faire ça. En plus, il est trop nul, il arrive même pas à mettre un panier. Bah, t'es trop nul, Blippi, t'es nul. Désolé, mais là, c'est Blippi qui cherche les conflits. Et oui, et c'est lui qui cherche les problèmes. Ah, bah, oh, regardez, il est en train de chasser Vlad et Nikki. Mais oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête, les gars? Mais ça y est, je sais, j'ai compris, les gars. Je crois qu'il les empêche de faire leurs vidéos. Et ouais, Vlad et Nikki, ce sont le concurrent de Blippi. Mais regardez, mais Blippi est complètement prêt à tout pour se débarrasser de la concurrence. Regardez là, en plus, Vlad et Nikki repartent en courant. Ils repartent en courant. Oh, mais c'est carrément surprenant. Ah ben regardez Blippi. Mais Blippi est véritablement en train de les chasser du parc. Blippi est prêt à tout pour les empêcher de produire leurs vidéos. Mais oui. Oh mais franchement, il a pas le droit. Non mais là les gars, je vous le dis, Blippi, il a pas le droit. Attendez, je prends mon téléphone les gars. Oui oui, je prends mon téléphone et je vais appeler Vlad et Nikki. Je vais leur demander ce qui se passe. Je vais les appeler. On va essayer d'avoir plus de précision. Je les appelle. Oh, oh les gars, je suis en train véritablement d'appeler Vlad et Nikki tout de suite. Tout de suite, allez répondez s'il vous plaît. Oh, j'espère que Blippi ne va pas leur faire de mal. Non mais là, là ça serait grave, ça serait beaucoup trop grave. Allez, allô, allô, Vlad, Nikki, qui est-ce que j'ai au téléphone là? Hey, c'est moi Vlad. Il y a un problème, il y a Blippi qui nous empêche de faire notre vidéo YouTube. C'est horrible, il fait que de nous harceler. Oh, vous entendez ça les gars? Mais Vlad et Nikki sont en détresse. Blippi est carrément en train de les harceler. Mais il est pas sérieux. Écoutez, écoutez-moi les frères, Vlad et Nikki, essayez de fuir, essayez de vous débarrasser de Blippi. Faites comme vous le pouvez, mais essayez de vous enfuir. Mais Robtek, c'est ce qu'on essaye de faire depuis tout à l'heure, mais là, il nous a suivis jusqu'au McDonald's. Au McDo? Au McDo, juste à côté du City Stade? Oui, 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 c'est bien ça, à côté du City Stade. Il veut plus nous lâcher. Quoi? Vous entendez ça, les gars? Mais tout se déroulerait dès maintenant autour du McDonald's. Bon, d'accord, Vlad et Nikki, ne vous laissez pas faire. Surtout, ne vous laissez pas faire. Hé, hey, oh, ça a raccroché? Mais les gars, ça a carrément raccroché. Il y a plus... Mais quoi? Oh non, non, mais ils sont en détresse. Ils sont complètement en détresse et apparemment tout se déroulerait au niveau du McDonald's. Mais ok, je reprends mon drone. Je reprends le contrôle, les gars. Allez, à fond les ballons, les gars. J'y suis. Ok, j'y suis au McDonald's. Alors maintenant, laissez-moi essayer de repérer Blippi. Pour l'instant, rien à signaler, les gars. Je me trouve tout simplement devant le McDo. Allez, maintenant, laissez-moi me mettre à la recherche de Blippi ou bien de Vlad et Nikki. Ou peut-être qu'ils sont à l'intérieur du McDonald's. Et là, là, les gars, Blippi sort du McDonald's. Blippi vient tout juste de sortir du McDonald's. On le voit, on va le surveiller les gars. On va bien le surveiller. Je vais zoomer, je vais carrément zoomer. Ouais, oh attendez, je crois que Blippi s'est commandé un menu Happy Meal. Je peux bien remarquer qu'il a un menu Happy Meal dans les mains. Je sais pas pourquoi là comme ça les gars, mais ça sent mauvais. Je crois qu'actuellement au McDonald's il y a la collaboration avec le Happy Meal Vlad et Nikki. Et c'est ce que Blippi a commandé. Je crois qu'il a véritablement commandé le Happy Meal Vlad et Nikki. Ça c'est possible les gars, je vous le dis. Mais bah, pourquoi est-ce qu'il commanderait le Happy Meal Vlad et Nikki alors qu'il les déteste? C'est ça la question les gars. Attendez, mais que fait Blippi là les gars? Mais vous le voyez? Mais pourquoi est-ce qu'il se cache dans les buissons avec le menu Happy Meal? Qu'est-ce qu'il prépare? Aïe 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 aïe, je crois qu'il fait des bêtises. Je le surveille avec mon drone. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est en train de trafiquer les gars? On voit qu'il est en train de verser un genre de produit dans le Happy Meal. Mais je crois que...
C'est trop bizarre, c'est trop trop bizarre là ce qui se passe. Mais il est probablement en train peut-être d'empoisonner le menu. Si c'est ça, c'est grave. Si c'est ça, c'est trop trop grave les gars. Si... Ah là, c'est abusé, c'est trop abusé. Non, attendez, non. Je vais prévenir Vladniki. Je vais prévenir Vladniki. Je les appelle, je vais les rappeler. Je vais les rappeler et je vais leur dire qu'il se passe quelque chose de très très grave. Je crains que Blippi aurait trafiqué le menu Happy Meal. Allô? Allô, Vlad, Niki, écoutez-moi, je crois que Blippi aurait vilainement trafiqué votre menu Happy Meal. Oui, oui, on le sait, il est actuellement en train d'empoisonner tous les menus Happy Meal. Quoi? C'est sérieux? Blippi empoisonne tous les menus Happy Meal? Oh, faut les jeter à la poubelle, faut tout jeter à la poubelle. Écoutez-moi, Vlad et Niki, il faut jeter à la poubelle tous les menus empoisonnés, d'accord? Et il faut se dépêcher avant même qu'il y ait des enfants qui s'empoisonnent. Ok, Rotek, t'inquiète pas, tu peux compter sur nous, on s'occupe de tout. Ok, 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 d'accord, je compte sur vous. Ok, attends. Les gars, je reprends le contrôle de mon drone. Et là, j'espère que Vlad et Niki vont être efficaces. Il faut jeter tous les menus empoisonnés à la poubelle. Oh, là, regardez, Vlad, Niki, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils viennent de jeter un menu à la poubelle. Ok, attendez les gars, vous savez quoi? Ce que je vais faire moi, c'est que je vais me rendre jusqu'au McDonald's. Je vais aller fouiller dans la poubelle, je vais récupérer le menu. Et on va bien voir ce que Blippi a vilainement trafiqué. D'accord les gars, on se retrouve tout de suite au McDonald's. Let's go. Bon, et bien les gars, je vous le dis, j'ai pris la voiture et je suis déjà aux abords du McDonald's. Et oui, regardez les gars, je suis aux abords du McDo déjà. Là, je vous dis, je vais devoir aller fouiller les poubelles. Oui, oui les gars. En tout cas, ma curiosité n'a aucune limite. Je vais vraiment, vraiment aller fouiller les poubelles. Allez, venez avec moi, je retire ma ceinture de sécurité. Allez, on y va les gars. En attendant, grâce au drone, on a bien pu repérer dans quelle poubelle où est-ce que les Vlad et Niki se sont débarrassés du Happy Meal. Et je crois que c'est celle-ci. C'est cette poubelle-là les gars. Oui, c'était juste à côté du Ronald Land, juste là. Et la poubelle, elle est là. Donc là, normalement, j'ai... Ah, bah regardez, regardez les gars. Attendez, je vais le récupérer, je vais le récupérer. Oh, ça pue là-dedans. Oh, ça pue dans la poubelle. Oh, je m'ose même pas mettre ma main pour récupérer le Happy Meal. Regardez. Oh, ok, allez. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce que ça pue dans cette poubelle? Hey, mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous, les abonnés, les gars? Non, sérieux, quoi. Hey, bon, allez, on reprend le Happy Meal et on remonte à la voiture. Allez, à la voiture les gars. Bon bah ça y est les gars, j'ai le fameux Happy Meal que Blippi aurait vilainement trafiqué. J'ai bien envie de savoir qu'est-ce qu'il a trafiqué dans tout ça les gars. En attendant... Oh, mais ça pue! Non mais sérieux les gars, ça sent mauvais! Non mais attends, bah c'est normal, je l'ai récupéré quand même dans la poubelle les gars, ça c'est pas étonnant. Bon, on va quand même faire l'effort de l'ouvrir les gars. Oui, je suis curieux, désolé, je suis trop curieux les gars. Allez, let's go, on va l'ouvrir ensemble les gars. Oh purée, voilà, franchement je sais pas encore dans quoi je m'embarque, mais vas-y, je suis curieux. Allez, je l'ouvre. Hey, les frites, qu'est-ce qui s'est passé sur les frites? Je vous montre, attendez, je vais vous montrer les gars. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le paquet de frites? Oh, aïe, 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 aïe. Ah, Blippi, il a fait des bêtises. Ah, Blippi, il a fait des choses qu'il fallait pas faire. Ah, ça, j'y touche pas. Non, j'y touche pas. Ah, non, non, non. Ah, mais franchement, Blippi, il est terrible en ce moment. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête, les gars? Je le savais que ce Happy Meal était dangereux. Eh oui, oui, oui. Mais Blippi a fait des bêtises. Attendez, le sandwich. Ah, mais oui, le sandwich est touché aussi. Regardez, il y en a partout sur l'emballage. Bon, je vais quand même me permettre d'ouvrir l'emballage du sandwich, les gars. On va vérifier ça ensemble. Attendez, je l'ouvre. On va l'ouvrir ensemble, les gars. Et je vais pas le manger. Je vous le dis, non, je vais pas du tout le manger. Je vais pas y toucher. Je vais simplement inspecter, les gars. Bon, comme ça, de première vue, le sandwich a l'air plutôt appétissant. J'aurais même envie de croquer dedans. Oh. Non. Franchement, le sandwich, là, rien à dire. Jusque-là, ce Happy Meal, c'est la catastrophe. Mais là, le sandwich, non, franchement, je valide. Mais on va l'ouvrir, on va inspecter ce qu'il y a à l'intérieur, les gars. Oh, bah, regardez, on a le cornichon, le ketchup, le cheddar, le steak haché. Et en dessous, on a... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Hé! Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, non, les gars, oh, regardez, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais les... c'est des punaises, le sandwich est piégé par des punaises. Ah ouais, non, mais là, une chose est sûre, c'est que Blippi a véritablement piégé ce Happy Meal. Il voulait véritablement piéger Vlad et Niki d'une façon abominable. Oh non, mais les gars, je vous assure que si vous croquez dans ce sandwich, vous auriez la gorge ensanglantée. Oh non, non, heureusement, je vous le dis, que je me suis pas laissé séduire par ce sandwich. Oh, il avait l'air tellement appétissant. En plus, c'est ça, c'est véritablement un sandwich piégé. Ah non, j'y touche pas. Attendez, dans la boîte du Happy Meal, qu'est-ce qu'il nous reste? Oh, les gars, regardez, je crois qu'il nous reste des bonbons. Il y a des bonbons, les gars, attendez, je veux voir ça, oui, oui. Oh,
Il y a des bonbons Haribo. Alors ça, je crois bien que c'est la seule chose sympathique de la part de Blippi. Attendez, non, c'est pas normal. Non, non, non. Il y a sûrement quelque chose de mauvais qui se cache derrière tout ça. On va l'ouvrir, les gars. Oh non, j'en ai mis partout dans la voiture. Oh bah regardez les gars, c'est des petits crocodiles. Bah là franchement, c'est la petite touche sympathique de Blippi. Bon, allez, j'aime bien les crocodiles. Mmh, oh ouais. Mmh. Oh, ils sont dégoûtants. Véritablement dégoûtants. Qu'est-ce qui se passe avec ces bonbons? Je vais vérifier sur le paquet. Non, c'est une blague. C'est des bonbons périmés. Mais oui les gars, la date c'est écrit que c'est des bonbons périmés. Ah, oh, je me doutais qu'il y avait quelque chose de mauvais derrière tous ces bonbons. Non. Ah non, c'est horrible. Franchement, ce Happy Meal est véritablement piégé de A à Z les gars. De la frite jusqu'au sandwich et jusque même les petits bonbons. Tout est empoisonné. Ok, bon, les gars, je pense que Blippi voulait véritablement empoisonner et éliminer Vlad et Nikki. C'est terrible les gars, franchement. Non mais Blippi, là, il est prêt à tout pour éliminer la concurrence. Je pense que sur la chaîne YouTube, nous allons tout faire pour protéger Vlad et Nikki de la terreur de Blippi. Et oui. Les gars, qu'est-ce que j'enregistre aujourd'hui? Aïe aïe aïe, les gars, je viens de faire un très mauvais rêve. Ce qui se passe dans mon cauchemar, c'est qu'il y avait Huggy Wuggy qui chassait les frères youtubeurs Vlad et Nikki. En plus, dans mon cauchemar, tout se serait déroulé aux abords du McDonald's. Oui, 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 Huggy Wuggy chasserait les Vlad et Nikki au McDonald's. Aïe aïe aïe, non mais désolé les gars, mais pour moi, ce cauchemar est traumatisant. Non, non, mais si ça se trouve que c'est vrai, si ça se trouve que mon cauchemar, c'était la réalité. Ah non, 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 les gars, vous savez quoi? Je vais me préparer, je vais m'équiper de mon drone et je me dois d'aller vérifier aux abords du McDonald's s'il n'y aurait pas probablement un conflit entre Huggy Wuggy et les frères Vlad et Nikki. Allez, je me dépêche, on se dépêche les gars. Allez, bon bah je vous le dis les gars, j'ai pris la voiture, je suis équipé du drone, la télécommande, tout ce qu'il faut les gars. Et je me suis rapproché du McDonald's le plus proche de chez moi. Et ouais les gars, je suis tout juste à côté du Starbucks. Allez, je vous le dis, je perds pas plus de temps, je fais décoller mon drone, je le fais décoller sur la voiture. Oui, 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 on arrive. Voilà, je le pose sur le capot de la voiture. C'est pas un problème, on le fait décoller. C'est parti, let's go. Oh ouais, non, non, non. Les gars, je me dois quand même d'aller vérifier ce qui se passe aux abords du McDonald's. Et ça y est, les gars, nous y est, nous y est. Et oui, oui, voilà le McDonald's. Ah ouais, les gars, je suis obligé. Je me dois personnellement de vérifier s'il n'y aurait pas Huggy Wuggy chasse ou terrorise les Vlad et Nikki, les gars. Et là, avec le drone, je suis actuellement en train d'analyser et d'inspecter tout autour du McDonald's au cas ou si on aperçoit le moindre mouvement suspect ou bien le moindre Huggy Wuggy sauvage qui traînerait là aux abords du McDonald's. Alors en plus on le sait, là les gars je vous le dis, c'est véritablement le McDonald's que les youtubeurs Vlad et Nikki ont l'habitude de fréquenter. J'ai pas choisi quel restaurant McDo au hasard les gars, c'est pour ça je veux vérifier les gars. Tiens tiens les gars, qu'est-ce que je vous disais, c'est bel et bien le McDonald's que Vlad et Nikki fréquentent tout le temps. Ils sont là les gars. Mais attends, mais c'est limite s'ils vont tous les jours au McDonald's. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon pour la santé les gars. Non 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 non. Je pense qu'à force Vlad et Nikki là, ils vont grossir. Ouais non mais bon bah ils s'installent tranquille au McDonald's. Regardez. Ah là là, sacré Vlad Nikki hein, je vous le dis moi. Mais qu'est-ce qu'ils vont encore se commander aujourd'hui? Aïe 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 aïe. Non. Non, 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 non. Ah, Huggy Wuggy sauvage. On l'a vu, on l'a tous vu, les gars. Aïe, 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 aïe. Mais alors, mon cauchemar deviendrait réalité, ça veut dire. C'est pas possible, ça, ou quoi? Mais non. Oh non, mais que font Vlad et Nikki? Regardez ça, on a comme l'impression que Vlad et Nikki ont l'air intrigués. Ah, ils ont l'air curieux. Mais parce que eux aussi ont bien aperçu ce Huggy Wuggy sauvage. Mais qu'est-ce qui leur prend, là? Mais pourquoi est-ce qu'ils partent à l'aventure comme ça? Là, pour le coup, ils peuvent être très clairement confrontés au Huggy Wuggy. Et là, ça peut vraiment, vraiment mal tourner, les gars. Non, mais ils sont inconscients. Les gars, là, pour le coup, Vlad et Nikki sont complètement inconscients. Là, d'abord, je pense qu'ils tentent de s'approcher du Huggy Wuggy. Ils n'ont clairement pas conscience du danger qu'ils sont en train de se mettre. Là c'est hyper grave. Attendez, là, regardez. Non. Oh, il y a
Hey, mais attendez, je comprends mieux maintenant, les gars. Je pense que les frères youtubeurs Vlad et Nikki veulent approcher ce Huggy Wuggy sauvage de plus près pour pouvoir en faire des vidéos. Bah ouais, bah ouais, bah parce que pour eux, ça leur fait une bonne idée de vidéo. Bah oui, 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 les gars, ils n'ont peur de rien. Mais les gars, ils n'ont aucune limite. Ils sont prêts à tout pour produire leurs vidéos YouTube. Mais oui, ils sont clairement en train de faire une vidéo sur Huggy Wuggy là, là tout de suite. Non, non, qu'est-ce qui se passe? Non! Mais non! Mais voilà, qu'est-ce que je disais! Mais maintenant qu'il y a Huggy Wuggy qui poursuit les frères Vlad et Nikki! Non, 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 non! Bon, là, ils sont foutus, là! Bah là, ils sont foutus, les gars! Je sais pas, mais non, mais là, je vous le dis, moi, quand il y a un Huggy Wuggy qui te prend pour cible, là, franchement, là, c'est quasi foutu pour toi! Regardez, là, il va pas les lâcher! Ah non, bah regardez, ils sont épuisés, là! Non! Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Non! Non! Les gars! Vlad, Nikki! Non! Oh non, non, les gars, c'est pas possible! Mais les gars, les frères Vlad et Nikki sont sous l'emprise de Huggy Wuggy! Faut faire quelque chose là, je ne sais pas! Attendez, mais il faut qu'ils s'enfuient! Il faut qu'ils s'enfuient par tous les moyens possibles! À côté du McDo, il y a les voies ferrées! Ils devraient s'enfuir du côté des voies ferrées! Oui, oui, oui! Et affaire à suivre, restez bien, bien connectés sur la chaîne YouTube! Je suis en voiture, tranquille, de retour pour aller à la maison, et puis là, en passant par la gare, qu'est-ce que je vois, les gars? Vlad et Nikki! Oui! Et vous savez pas quoi? Le pire dans tout ça, c'est que là, il est actuellement 3h du matin! Oui! Oui, oui, il est actuellement 3h du matin, les gars. Alors moi, je vous le dis, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de traîner autour de cette fameuse station de train, d'autant plus qu'elle est vraiment, vraiment réputée très, très dangereuse. Regardez, je me trouve tout juste aux abords de cette fameuse station de train, les gars. Là, c'est juste devant. Et quand je vous dis que cette gare est très, très dangereuse, c'est du sérieux, c'est du très, très sérieux. Dites-vous qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup été fréquentée par Chouchou Charles ou encore Thomas le train.exe. Oui, oui. Alors je vous le dis, c'est dangereux. C'est dangereux, faut pas rester là. Et je pense que Vlad et Nikki n'ont pas été averti du danger qu'il pouvait y avoir autour de cette gare, les gars. En attendant, moi je vous le dis, je vais pas du tout rester à proximité de cette gare. Non, non, c'est trop dangereux, les gars. On va pas prendre de risques, je vais plutôt profiter de mon drone. Mais oui, je suis toujours équipé de mon drone à la voiture. Et oui, bah parce qu'avec le drone, ce sera beaucoup plus prudent, les gars. Et ça va forcément aussi nous aider à savoir pourquoi est-ce que Vlad et Nikki traînent autour de la gare. Et ça y est, on est parti, les gars. Voyons voir ce que Vlad et Nikki nous préparent. Et regardez, je me trouve simplement devant la gare. Oui, oui, et à la recherche des Vlad et Nikki. En attendant là, peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils ont fugué de chez eux à l'heure de 3h du matin pour faire une vidéo. C'est peut-être pour faire une vidéo 3h du matin. Ah ah, ça c'est très très fort possible, les gars. Attendons de voir. Mais qu'est-ce que je vois, les gars? Et ça m'a tout l'air d'être Vlad, Nikki et encore Blippi. On peut bien voir que Blippi est de la partie aussi ce soir. Mais quoi? Peut-être qu'ils ont décidé de se faire une vidéo 3h du matin, mais tous ensemble. Bah ouais. Oh, ça c'est possible, ça c'est très très fort possible, les gars. Et regardez-moi cela. À mon avis, j'en suis quasi sûr, c'est pour préparer une vidéo. Ils vont sûrement faire plein plein de vidéos 3h du matin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? Non! Non! Mais il y a Thomas le train! Regardez! Mais il y a Chouchou Charles! Non! Aïe! Ils sont foutus! Ils sont foutus, les gars! Il y a le combo Thomas le train, Chouchou Charles à 3h du matin! Eh non, 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 ils ont pris trop de risques! C'est trop dangereux! Eh ben d'abord, là, je pense qu'ils sont partis en courant jusqu'au parking. Mais là, regardez! Mais c'est ce que je vous disais! Là! Oh, là, regardez! Oh, là, là, devant ma voiture! Devant ma voiture, ils sont là! Ils sont là! Mais ils sont malades ou quoi? Ah, mais regardez ça! Ah, bah là, moi, je vous le dis, je pense que le parking, c'est leur seul échappatoire! Mais oui! Attendez, je reprends le contrôle de mon drone, voyons voir ce qui se passe. Aïe, 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 moi je vous le dis, ils ont pas intérêt de traîner longtemps dans les parages, hein. Oui, mais... What? Qu'est-ce qu'ils font? Mais regardez, les gars, je vois Blippi, Vlad et Nikki en train de faire une vidéo. Mais regardez, je dis pas de bêtises, je dis pas de bêtises, moi, les gars. Aïe, 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 attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a Thomas le train, il y a Chouchou Charles. Et j'ai peur pour eux, vraiment, franchement, j'ai peur pour eux, là, les gars. Ils ont tout juste eu le temps de se cacher derrière une voiture. Yeah, ils ont eu énormément de chance. Ils sont simplement passés juste à côté de là comme ça. Aïe aïe aïe. Et ça doit faire stresser. Ça doit véritablement faire très 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 stresser, les gars. Je vous le dis maintenant, je vais simplement surveiller tout le parking. Mais ah, regardez, oh, mais regardez, les gars, regardez, c'est le défilé. Ça y est, c'est le défilé des trains-trains, les gars. Mais il y a Thomas le train, il y a Chouchou Charles. Et je vous le dis, c'est de la réunie, c'est un carnage. Moi je vous le dis, Blippi, Vlad et Nikki jouent avec le feu. Je pense que d'ailleurs ils sont prêts à prendre tous les risques pour faire leur vidéo 3h du matin sur Thomas le train et sur Chouchou Charles. Je pense que Thomas le train et Chouchou Charles, ils ont rien à perdre. Et là, je vous le dis, tout se déroule tout juste dans le parking de la gare. Ouais. Et, attendez, mais non, mais je rêve. Non, non, mais quoi, mais je rêve. Mais au lieu de quitter la zone et de partir, ils continuent à faire leurs vidéos. Non, mais, non, mais... Non, mais ils sont fous ou quoi? Non, sérieux, attendez, faut les prévenir. Hé, Vlad, Nikki... Non,
non, chut, chut, faut... Non, mais justement, faut pas que je crie comme ça, moi. Mais sinon, c'est moi, je vais me faire choper. Non, 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 attendez. Oh, mais... Oh, là, regardez. Mais non, oh, courez, courez, vite, 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 vite. Oh, voilà. Alors, ils se sont fait trouver. Alors, oh, yaïaïaïaï. Oh, je le sais, ça va mal se finir. Ça va mal se terminer, cette affaire. Ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout. Regardez-les, on les voit courir à travers tout le parking. Ils ont intérêt de courir très, très vite. Surtout qu'il y a Thomas le train et Chouchou Charles à leur trousse. Ah, j'aimerais pas du tout être à leur place. Je vous le dis, là, je crois que même d'ailleurs, moi, je devrais pas rester là plus longtemps, les gars. Même moi, je suis en danger. Oh non, là, ils sont foutus. Non, désolé. Non, là, ils sont foutus, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, ils ont plus aucun échappatoire. Non, 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 non. Oh, 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 oh. Mais encore une fois, ils viennent de passer tout juste à côté. Ah, ils ont eu de la chance et ils ont eu beaucoup, beaucoup de chance. C'est chaud. Oh, oh. Ah, ils ont de la chance, mais je sais pas encore pour combien de temps, les gars. Oh, oh, non. Ah, aïe, 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 aïe. Non, ah là, ah là, c'est foutu. Ah là, désolé de le dire, mais là, là, c'est foutu. Mais regarde, ils sont pris en sandwich. Il y a Chouchou Charles d'un côté, Thomas le train de l'autre. Yeah, non, non, non. Mais là, je vous le dis, ils sont piégés, ils sont foutus. Ils sont faits comme des rats. Oh non. Eh, mais ouais. Mais quoi? Mais ils ont réussi à trouver un petit trou de souris pour s'enfuir. Ah, ils en ont profité. Oh, bien joué. Alors là, bien joué de leur part, les gars. Et sur ce coup-là, je vous le dis, je pensais vraiment qu'ils étaient cuits. Mais attendez. Oh, Blippi? Pourquoi est-ce que... Mais Blippi, Blippi continue à se faire poursuivre. Oh, j'ai peur pour Blippi. Sincèrement, j'ai vraiment peur pour Blippi, là. Peur, j'ai peur. Oh, il doit être épuisé à force. Non. Oh, alors regardez. Non. Cours, 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 cours. Oh. Non. Ah. Non. Blippi s'est fait écraser. Il vient de se faire écraser sous nos yeux. Et là, mais maintenant qu'il va se faire manger par Chouchou Charles. Ah non. Oh non, pauvre Blippi. Attendez, non, non, non. Non, non, pauvre Blippi. Pauvre Blippi, les gars. Non, non, je peux pas accepter ça. Non, mais les gars, Blippi, on l'aime tant sur la chaîne YouTube quand même. Non, non, Blippi. 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 Où est Blippi? Où est Blippi? Dites-moi si vous le voyez, dites-moi si vous le voyez, j'ai besoin de vous, les gars. Non, là-bas, je crois que c'était là-bas, c'était tout au bout du parking. Je crois bien que c'était vraiment tout au bout du parking. Blippi! Blippi! Attention, attention, faudrait quand même surtout pas que je sois confronté à Thomas le train ou alors à Chouchou Charles. C'est hyper dangereux ce que je fais. Mais Blippi! Blippi! Il y a un sac à dos, il y a un sac à dos par terre. Je crois que c'est le sac à dos de Blippi. Eh oui, attendez les gars. Je crois que c'était le sac à dos de Blippi. Il reste plus que son sac à dos. Il n'y a plus de Blippi, plus rien. Je crois qu'il s'est fait avaler par Chouchou Charles. Mais regardez, il n'y a plus rien. Plus rien, plus personne. Regardez les gars. Oh non, 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 il n'y a plus que son sac à dos. Attendez, avant tout, on va quand même s'assurer que c'est bel et bien le sac de Blippi. D'abord, on va regarder ce qu'il y en a dedans. Attendez, je fouille, je fouille. Oh, ah bah regardez, qu'est-ce que j'y retrouve? Un petit nœud papillon orange. Bah ça, on le sait, ça appartient à Blippi. Alors bah ça y est, une chose est sûre, c'est que c'est bel et bien le sac de Blippi, les gars. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah il y a les lunettes. Regardez, les petites lunettes orange de Blippi. Bah ça y est, c'est quasi sûr, c'est le sac de Blippi. Et oh, oh la dinguerie, regardez ce que j'y retrouve dans le sac de Blippi. Regardez-moi ça, les gars. Mais c'est la caméra, c'est une caméra, c'est la caméra de Blippi. Ah bah ça, ça nous confirme bel et bien qu'il voulait sûrement faire une vidéo 3h du matin sur Chouchou Charles et sur le Thomas le train. Regardez-moi la caméra de Blippi, c'est une caméra très 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 puissante. Ah ouais, bah franchement, Blippi est très très bien équipé. Et alors là, pour le coup, ça a mal terminé. Je remets ça dans le sac, je remets ça dans le sac. En attendant, je pense que je devrais pas rester ici très très longtemps. C'est quand même très très dangereux, non? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi le bruit là? Oh, chut. Oh. Oh non, les gars, qu'est-ce que je dois faire? Non, les gars, qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Oh, regardez, regardez, est-ce que je dois partir en courant? Ou alors est-ce que je dois pas bouger comme ça? Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Oh, et Chouchou Charles! Vite! Vite, 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 on s'en va, on s'en va, on s'en va. Oh, vite, vite, courez, courez. Oh, oh non, non, vite, faut que je me cache. Faut que je me cache quelque part. Derrière cette petite poubelle. Ok, j'ai tout juste besoin de me cacher derrière une poubelle, les gars, c'est misérable. Oh, oh non, non, j'espère qu'il m'a pas suivi. Il faudrait simplement que je retourne à la voiture. Vite, ok. La voiture est tout là-bas, tout au fond là-bas. C'est trop loin, je peux pas y aller. C'est trop loin. Oh, chut. Il est là! Il est juste là, les gars! Oh non! Il vient de passer tout juste à côté de moi! À côté de moi, à peine 2 mètres! Non, non, non! J'ai pas envie de terminer comme Blippi, je vous le dis, moi! Non, non, non! Ok, je crois que j'ai le temps de retourner jusqu'à la voiture.
Allez, discretos, discretos, on retourne à la voiture, les gars. Vite, 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 vite. Allez, elle est là, la voiture. Vite, 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 vite. Allez, on se dépêche. Allez, allez, allez. Oh, oh, oh. Eh, les gars, vous savez quoi, on va pas rester là plus longtemps. Bah non, 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 on va pas traîner, les gars. Je vous l'avais dit déjà dès le début. Cette gare est très, très, très dangereuse. Oh, 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 non. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Regardez. Oh mon dieu, non, non. C'est Vlad. C'est Vlad et Nikki. Oh, vite, courez, 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 vite. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête? Non, mais, non, non. Oh, 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 non. Oh, non, non. Oh, malheur, malheur. Vlad et Nikki viennent de se faire écraser. Non, c'est pas possible. Oh mon dieu, les gars. Là, une chose est sûre, c'est que je devrais surtout pas rester là plus longtemps. Vite, vite, allez, je démarre, les gars, on se dépêche, allez. Oh, faut pas rester là plus longtemps. Eh, je m'en vais, les gars, je vous jure, c'est trop dangereux. C'est hyper dangereux. Je pense que si je reste encore à peine quelques minutes ici, je finirai englouti par Thomas le train ou bien par Chouchou Charles. Allez, bon, bah, on se laisse sur tout ça. Et ciao, ciao. Arrête! Laisse-moi jouer! Je vais mettre le but, je vais te mettre. Oh, attends, c'est quoi? C'est... Arrête de me déconcentrer! Arrête de me déconcentrer! Ça a sonné, ça a sonné, gros! Quoi qui a sonné? Bah, la sonnette de la maison, quoi! Quoi? À l'entrée? Ouais, à l'entrée, ouais! Attends! C'est... Ah oui, t'as raison, t'as raison. Qu'est-ce que t'as raison? T'as commandé quelque chose, non? Non. Bah, t'attends des invités, toi? Non, j'attends personne, j'attends rien. Bah, moi non plus, moi j'ai rien commandé. Viens, on va voir. Viens, on va voir. On va voir, les gars, mais attends, oh, c'est bizarre, c'est peut-être les voisins. C'est peut-être les voisins. Ah, je sais pas, c'est possible, hein. Ouais, si vous me demandez quelque chose, ouvre la porte, je dépêche. Eh, c'est qui? Bonjour, je vais chercher les Vlad et Nikki. Je suis ici, interatisateur, anti-cafard, anti-punaise d'olive. Attends, mais non, mais d'abord, on n'est pas du tout chez les Vlad et Nikki ici, là. Non, non, vous faites erreur. T'es chez Roptek, là. Qu'est-ce que tu as, là? Non, non, ici, c'est chez les Vlad et Nikki. J'ai eu un signalement que la maison des Vlad et Nikki a été infestée par les punaises d'olive, les cafards et les moustiques. Le quoi? Oui, oui. Ah ouais, sérieux? Oui, oui, c'est sérieux. En tout cas, c'est pas ici, c'est pas ici. Si, si, c'est ici. J'ai eu des signalements. Mais non, c'est pas ici, si je te le dis. Moi, je suis ordonné de nettoyer cette maison. Allez, je nettoie, je commence. Non, arrête, sortez, 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 sortez. Celui-là pour tourner, vas-y. Tirez-le. Il ouvre quoi, lui? On n'a pas de cafard et de bus de lit. Ah non. Mais là, Roptek, ça voudrait dire que Vlad et Nikki seraient infectés par des parasites. Ah non, mais attends, mais moi tout ça, ça me dégoûte, ça. Les punaises de lit, les cafards, tout ça, les parasites. Non, 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 non. Attends, ton gros. J'ai un appel. C'est qui? Les Vlad et Nikki m'appellent, gros. Sérieux? Je te jure. Attends, je réponds pas? Ouais. Vas-y. Tu réponds. Allô? Allô, Vlad? Vlad? Allô, oui, ici le skate. Je t'appelle, est-ce que tu serais pas chaud pour une partie de basket, là, tous ensemble? Non, ouais, pourquoi pas? Non, faut pas, non. Je sais pas, mais. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu fatigué, mais je peux peut-être passer, mais bon, bah. À tout à l'heure! Quoi? Vlad et Nikki en plus. Non, mais on a bien compris que les Vlad et Nikki sont complètement infestés par les parasites. Mais je sais. Mais ça veut dire qu'il ne faut plus les côtoyer. Bah, au pire. Plus du tout. Mais au pire, je vais jouer au basket avec eux, mais je les approche pas trop, tu vois. Je prends mes distances de sécurité. Non, tu vois. Pas, vous allez forcément vous échanger le ballon, tout ça. Mais c'est bon, le ballon. Les parasites, ils vont te sauter sur toi et toi aussi, tu vas être infesté. Mais... Après, tu vas m'infester moi. Après, tu vas infester tout ta maison. Vas-y, moi, c'est bon, je vais mettre des ballons. Non, ça y est, moi, je suis au sport, moi, c'est basket, quoi. Hé, oh, tu fais quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas de basket, donne-moi mon ballon. Non, mais sérieux ou quoi? Non, c'est toi, t'es sérieux, gros? Je vais pas m'empêcher d'aller faire mon basket avec ces Vlad et Nikki. Mais non, mais ils sont infestés. C'est Spooky, sérieux? Ça y est. Je te laisserai pas y aller. Mais vas-y, laisse-moi tranquille, allez. Non, allez, moi, j'y vais. Non. Non, attends! Non, pas tranquille! Vas-y, là! Je peux pas te laisser y aller! Je peux pas! Non! Allez, mais non! Mais c'est Spooky, mais t'es sérieux? Non! Non! Mais non!
Oh, ça y est les gars, Sim Spooky est complètement inconscient. Je suis désolé. Non mais là il prend trop de risques. Moi je peux pas laisser faire ça. Attendez, les gars, vous savez quoi, je vais m'équiper de mon drone. Oui okay. Oui, de mon drone, c'est une bonne idée ça. Attendez, là, attends, voir. Là, ah bah il a mon drone. Let's go les gars, je prends mon drone. Je vais directement aller surveiller Sim Spooky. Et on va bien voir comment est-ce que la situation évolue. Bah allez, let's go, c'est parti. Allez, bah maintenant, équipé du drone les gars, on va bien vérifier si les Vlad et Nikki sont infectés par des parasites. En tout cas, le drone va nous aider dans cette situation. Les gars, en attendant, j'y vais directement au terrain de basket. C'est là où il se donnerait normalement rendez-vous. Mais les gars, je vous le dis, là, là, qui voilà là déjà les gars. Voilà l'arrivée de Vlad, de Nikki. Ils ont le ballon de basket en main. Et là, il y a un problème. Bon, les gars, on le remarque tout de suite. Il y a comme plein de parasites qui tournent autour des Vlad et Nikki. Là, regardez, oh, les voilà maintenant en plein milieu du terrain de basket. Et on remarque, il y a comme plein de parasites qui tournent tout autour d'eux comme ça. Et on remarque que les Vlad et Nikki se grattent. Ils se grattent constamment, les gars. Ils ont des démangeaisons. Ils sont complètement infectés de la tête aux pieds par des parasites. Non, 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 non. Voilà l'arrivée de Sim Spooky. Non, 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 je t'en supplie, ne t'approche pas, ne touche pas le ballon. Oh, non. Sim Spooky devrait garder normalement une distance d'au moins 1 mètre qui sépare les Vlad et Nikki. Mais c'est normal les gars, ils sont complètement infectés. Et le pire c'est que ça se transmet d'individu en individu. Non mais les gars, Sim Spooky est complètement inconscient. Oui, je le dis et je le répète. Non mais là c'est grave. Désolé mais on le voit, regardez, les Vlad et Nikki font que de se gratter partout. Ça leur gratte de partout. Les bras, les jambes, le dos, le... Regardez, c'est limite s'ils ne peuvent même pas jouer au basket. Et là... Quoi? Regardez, je crois que Sim Spooky se gratte aussi. Non, non. Eh oui, non mais ouais, mais c'était sûr. Sim Spooky est maintenant contaminé par les parasites. Oh non, non, non. Alors là, une chose est sûre, c'est qu'il ne mettra plus les pieds dans la maison. Ça, je vous le dis, les gars. Il est contaminé. Là, c'est sûr qu'il est contaminé, les gars. Il y a aucun doute. Ah, où sont-ils? Eh, hey, où sont-ils passés? Hey, les gars, ils sont plus du tout au terrain de basket. Mais oh. Quoi? Eh, hey, qui c'est que c'est? Non. Non, alors, ah, non, attendez, alors me dites pas qu'ils ont fait leur retour à la maison. Ah non, 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 je leur interdis de rentrer dans la maison. Non, 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 c'est pas possible, les gars. Oh non, mais non, 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 je peux pas les laisser rentrer, ils font tout infester. Non, 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 hé, hey, vite, vite, je descends jusqu'à l'entrée. Vite, vite, vite. Oh, oh non, 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 hey, je vais me connecter sur la sonnette. Là, là, ils sont là, les gars. On les aperçoit tout juste devant la porte d'entrée. Non, faut pas ouvrir du tout, les gars. Ne serait-ce qu'un centimètre. Les gars, les parasites peuvent s'infiltrer partout autour de la maison. Oh, là, là, regardez carrément là. Là, sur la porte, les gars. Faut les écraser. Non, vite, faut les écraser. Les gars, oh, il y a des parasites qui commencent à rentrer dans la maison. À peine ils sont à l'entrée, les gars. Oh, oh, que font-ils? Qu'est-ce que c'était que ce gros bruit, les gars? Non, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, c'est pas possible. Non, mais là, c'est sérieux, ça devient incontrôlable. Non, mais moi, les parasites comme ça et tout, c'est ma phobie. Je vous le dis, je suis carrément phobie de tout ça. Moi, les gars, je vous le dis, je m'enferme dans ma chambre. Ah oui, oui, oh, mon téléphone, qu'est-ce qui se passe sur mon téléphone? Yo, je reçois plein d'alertes. Les caméras de sécurité de la maison se déclenchent. Non, ils sont pas sérieux. Non mais là c'est abusé. Ils s'introduisent carrément de par la porte du garage. Oh mais c'est pas possible, ils vont infecter toute la maison. Ok, je vous le dis, je vais rester enfermé dans ma chambre. Je ne veux pas approcher ceux qui sont infectés. Non mais les gars, je vous jure, c'est abusé. Oh, 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 ils sont carrément au salon. Ils investissent toute la maison, les gars. Mais c'est pas possible, ils vont déposer des parasites partout. Non, mais c'est une blague. Ah, mais regardez, on voit des parasites se déplacer partout dans la maison. Non, c'est pas possible. C'est un cauchemar. Mais que fait Nikki? Mais qu'est-ce qu'il fout comme ça sur la table? Mais ils se croient tout permis en plus. C'est ça le pire, les gars. Non, c'est insupportable. Oh, quoi? Non, attendez, regarde. Ah, là, là, devant ma porte. Les gars, ils sont partout. Ils s'introduisent dans ma chambre. Non, attends, la trappe. J'ai une trappe, les gars. Faut les éliminer. Vite. Allez, tu meurs. Dégagez, hein.
Oh les gars, c'est dégoûtant. Non, là, c'est vraiment, vraiment horrible ce qui se passe. Attendez, mais les gars, regardez, mais on les voit tranquilles installés en plein milieu du canapé. Il y aura maintenant des parasites plein, plein partout dans le salon. En plus, le pire, c'est que c'est ultra invasif. Je crois que ça s'apparente à des cafards. Oui, oui, c'est des cafards. Les gars, regardez-moi ça. V'là qui est à l'arrivée de l'agent anti-parasite. Oui, 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 let's go. Allez, ils sont tous virés et c'est maintenant le moment de tout désinfecter. Les gars, je vous le dis, je reste enfermé dans ma chambre. Je ne veux surtout pas être contaminé. Non, wow. Alors là, c'est la désinfection totale de toute la maison, c'est obligé. Les gars, dès lors que vous êtes infecté ou que vous avez été en contact avec des parasites comme des cafards, des punaises de lit ou bien plein d'autres bestioles de ce genre, il est obligatoirement que vous devez subir une désinfection totale de toutes vos affaires, de vos vêtements et de même toute votre maison. Et là, pour le coup, là, il faut tout désinfecter. Oh. Aïe, 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 ça peut clairement avoir des conséquences terribles dans la maison, les gars. Peut-être que les parasites ont pondu des œufs et pour le coup, c'est possible que notre maison soit infectée pendant des semaines et des mois et même des années, les gars. Je peux vous le dire que l'agent antiparasite risque de venir très très souvent à cause de tout ce qui s'est passé là, les gars. En attendant, je vous le dis, restez bien 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 connectés sur la chaîne YouTube et puis on se retrouve dans quelques jours pour la suite des événements. A few moments later. Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de fou furieux, les gars. Il se passe quelque chose de complètement improbable. Je vous explique, les gars, j'ai très clairement reçu un message de la part de Vlad et Nikki et qu'ils m'ont dit qu'ils allaient ce soir à l'heure de 3h du matin au McDonald's. Et j'ai également reçu quelques minutes après un message de Blueway et de Dingo et qu'ils me disent que eux aussi ils vont aller au McDonald's à la même heure, mec. Et mais Rampé, quand j'y pense, ça peut faire une incroyable rencontre. C'est merveilleux, je suis trop contente. Ouais, non mais attends, à l'heure de 3h du matin, je ne suis pas sûr que ça risque de bien se passer, hein. J'ai un petit peu peur quand même, hein. Pour voir ce qui peut se passer, nous allons s'équiper du drone, yes, Spooky, et nous allons survoler le McDonald's où il pourrait y avoir la probable rencontre entre les frères youtubeurs Vlad et Lucky et les chiens Blue Baby. Ok, mais avant tout, avant qu'on fasse décoller le drone, moi je propose qu'on regarde une vidéo très très intéressante où on voit Vlad et Nikki au contact des animaux et des chiens pour voir comment ça se passe et pour voir comment ils se comportent avec les animaux. Alors la famille, si vous kiffez les vidéos Vlad et Nikki et si vous kiffez la série animée Blue Way, mettez tout de suite un gros pouce bleu sur cette vidéo et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Bah oui. Mais oui. Allez, let's go, première vidéo, on va analyser tout ça. Yes, Spooky, on choisit quelle vidéo? Regarde. Je sais pas, attends. Oh, celle-ci, regarde le chien là, il est beaucoup trop mignon. Clique sur cette vidéo là, mec. Ok. Hé, hey, regarde. Waouh. Mais attends, ça compte pas en fait, c'était un chat. Nous, on veut que ce soit un chien. Mais oui. Un chien. Waouh, waouh. Là, regarde. Oh, hey, un chien. Ok. Oh. Là, il y a un chien. Oui. Oh, il est trop mignon. Waouh. Attendez, mais il y a un chien contre un chat. Oh mec, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, hein. En attendant, on peut bien remarquer que Vlad a un très très bon contact avec les animaux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les chiens, les chats, c'est pas un problème. Ouais, c'est pas un problème du tout, les gars. Et regarde ce que j'ai apporté. Des friandises pour chien. Quoi? Mais pourquoi? Je te mets au défi de goûter un friandise pour chien. Oh, non, ça c'est pas possible. Bah quoi? Non, Rotek, et pourquoi ce serait pas toi, hein? Non, ce serait toi dans la vidéo, j'ai choisi. Non, on va faire un père feuille-ciseau pour se départager, ok? Père feuille-ciseau pour celui qui perd, il mange de friandises pour chien. Et ouais, allez. 1, 2, 3, père feuille-ciseau. Non. Allez, Rotek, tu dois manger la friandise. Bah, allez, tant qu'on y est, tu mangeras même dans la gamelle. Quoi? Les chiens. Blague, non. Allez. J'espère que t'as faim, tu vas bien manger. Allez, les gars, regardez. Tiens, mon protège, Je dois vraiment croquer. Oui. Rob-Tech, ça va? Attends, en vrai c'est bon. Quoi? Ouais, c'est bon. Ah, mais Rob-Tech, mais t'es trop bizarre. Ah ouais, c'est bon. Ah, mais non, mais bah, ça se mange. Rob-Tech, tu me dégoûtes. Bah quoi? Bon, on reprend la vidéo. Ouais, ce sera mieux parce que là t'es complètement dégueulasse, hein. Bah quoi? Allez. Ouais, let's go. Bon, attends. Mais que fait Vlad? Oh, bah, je sais pas, on dirait qu'il joue avec le chat. Ouais. Oh,
t'as déjà vu un chien rose? Non, c'est la première fois. C'est trop mimes. Mais oui, c'est beaucoup trop mignon, les gars. Attends, Yes Booking, tu veux des friandises pour chien? Tiens Non, pas du tout. T'es malade ou quoi? Mais quoi? Non. Ok. Oh, regarde. C'est trop mignon. Le chien il fait du toboggan. Oh, j'avoue, c'est beaucoup trop mignon, les gars. Mais Rob Tag, est-ce que nous aussi, on pourrait adopter un chien rose? Non, mais moi, je propose qu'on adopte plutôt un chien bleu. Blue Eye? Oui. Rob Tag, s'il te plaît, quelle heure il est, là? Attends, je vais regarder. Oh, les gars, regardez. Il est bientôt 3h du matin. Yaya, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut vite filer au McDonald's, voir s'il pourrait y avoir une rencontre entre Blue Eye Bingo et les frères Vlad Niki. Yes Pookie, tu viens, on s'équipe du drone. Et allez, on va au McDo, tout de suite. Viens, vite. Regardez les gars, je suis entre le McDonald's qui se situe à quelques mètres de là-bas. Et je suis aussi à proximité de l'animalerie. Regardez là-bas les gars, allez maintenant Yes Pookie, tiens-toi prêt. Nous nous sommes rapprochés du McDonald's. Oui, les deux. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Désolé, Rob Tag. Il s'est rien passé. Ouais, on va dire qu'il s'est rien passé. Attends, je me concentre dès maintenant sur mon drone. Nous allons directement investir le McDonald's. Allez, laissez-moi le temps d'inspecter tout autour du restaurant. Vas-y, Rob Tag. Au lieu de rôter, tu ferais bien d'ouvrir bien grand les yeux, les oreilles. Et tu me dis si tu aperçois Blue Eye, Bingo, Vlad, Niki, ce que tu veux. Ok. Attends, là, Yaspooky, je vais faire quelque chose d'improbable. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur du restaurant McDonald's avec mon drone. Quoi? Oui. Mais t'es complètement malade, Rob Tag. Fais pas ça, en vrai, t'as pas le droit. Mais y'a Blue Eye. Mais y'a Bingo aussi. Tu vois, ils sont actuellement au comptoir du McDonald's. Rob Tag, suis-les avec ton drone. Dépêche-toi. C'est ce que je vais faire, les gars. Attends, mais... Hey, ils se sont pris le petit menu Happy Meal, là. Ils se sont fait plaisir. Bien sûr. Attends. Regarde, ils sont au parc. Oh, oui. Ils sont littéralement au parc du McDonald's. Mais attends. Mais maintenant, attendons l'arrivée probable de Vlad et de Niki, maintenant. C'est ça qui nous intéresse, surtout, nous. Mais du coup, Rob Tag, il faut plutôt que tu retournes au restaurant plutôt qu'au parc, non? Oui, ça c'est vrai. Ouais. Parce que les gars, si Vlad et Niki viennent au McDo, c'est pour se prendre un menu. Bah oui, c'est sûr et certain. La famille, aidez-nous à retrouver Vlad et Niki. Normalement, il est vraiment l'heure de 3h du matin, alors ils devraient faire leur arrivée. Mais oui, t'as raison. Attends! Là! Ouais! Ok. Oh, les gars! Là, ça devient intéressant. Ok, les gars, là, tout se passe comme prévu. On peut très clairement voir Vlad, Niki. Mais attends, Rob Tag, pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas dans le restaurant? Je comprends pas. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à danser comme des débiles? Mais oui! Regarde! C'est trop bizarre! Yaya, regarde! Ils sont actuellement en train de danser avec Bingo et Blue Eye. Rob Tag, c'est incroyable. On assiste très clairement à la rencontre entre les youtubeurs Vlad et Niki et les chiens Blue Eye Bingo. Mais mec, c'est une dinguerie. Mais c'est trop bien. En tout cas, ils ont l'air de trop bien s'entendre. Mais ouais, de ouf. En plus, Rob Tag, tu l'as bien vu dans leur vidéo, ils ont un très bon contact avec les animaux, ça, Vlad et Niki. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai, ça, les gars. Oh, mais ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop content, mec. Et attends, non, Yaspooky, la situation est en train d'évoluer. Je crois que leurs relations se sont dégradées. Mais non. Regarde, on peut voir que Vlad et Niki se font poursuivre par Bingo et Blue Eye. Mais c'est une dinguerie. Attends, on peut rien dire. Peut-être qu'ils sont en train de s'amuser ensemble. C'est peut-être ça. Attends, mon drone s'est arrêté. Je reçois carrément un appel de Vlad et Niki. Regardez les gars. Je réponds. Faut répondre. Ok, allô. Allô, Vlad, Niki? Allô, Rob Tag, y'a un problème, y'a un gros problème. Je t'appelle parce que là, on se fait carrément attaquer par les Blue Eye et Bingo enragés. Est-ce qu'on peut venir se réfugier chez toi? Vite. Oui, pourquoi pas, hein. Bah oui, peut-être. Non. Pourquoi? Bah quoi? Mais c'est une mauvaise idée. Mais vous pouvez venir. S'il y a un problème, vous pouvez tout de suite venir dans notre maison. Merci, Rob Tag. On arrive tout de suite.
Ok, ok, ok. Ils arrivent à la maison. Mais non, mais Romptek, c'est une trop mauvaise idée. Parce que nous aussi, on va avoir des ennuis à cause d'eux. Mais quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Non, mais là, Romptek, c'est pas du tout une bonne idée. Parce que le chien, Blue Way et Bingo, à l'heure de 3h du matin, ils sont enragés. Non, mais ouais, c'est vrai ça. Mais ça oui. veut dire que ça va forcément les attirer dans notre maison, du coup. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça, Romptek. Attends. Je reçois une notification urgente. Les caméras de surveillance de la maison se sont déclenchées. Non, attends, je regarde ce qui se passe à l'entrée. Regarde à l'entrée. Okay. Il y a Vlad et Niki qui forcent la porte d'entrée. Ah mais Romptek, t'as vu, tu leur as dit de venir et ils sont venus directement à la maison. Non. Et mais ça, Romptek, ça va forcément attirer le chien Blue Way et Bingo qui sont enragés. Non, mais attends. Mais de toute façon, il y a Spooky, la porte d'entrée, elle est fermée. Parce que vu qu'on n'est pas là, ils pourront pas rentrer, tu vois. Ah mais je sais pas. Et en plus, tu vois bien qu'ils sont en train de forcer la porte de notre maison. Je crois qu'ils essayent carrément de s'introduire dans notre maison alors que c'est fermé. Oh non, Romptek, regarde. Quoi? Non, je crois qu'ils sont entrés dans notre maison. Oh non. Non. Ils ont carrément cassé la porte. Ils ont envoyé des coups de pied jusqu'à qu'elle se casse. Mais attends, Romptek, change la caméra, change le plan. Ok. Ils montent carrément jusqu'au salon. Mais comment on va faire? Ah non, mais là, je crois qu'on va plus pouvoir retourner chez nous. Ah, mais là, c'est sûr et certain, Romptek. On va devoir attendre un bon moment, je pense, avant de pouvoir retourner à la maison. Moi, j'ai une idée. Pour arranger la situation, là, qui est déplorable, moi, je pense qu'il faudrait organiser une rencontre entre Vlad et Niki et la Pat Patrouille. Parce que ça, Romptek, ça fera forcément de la concurrence avec les chiens Blue Way et Bingo. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Allez, Romptek, moi, je te laisse t'occuper de tout ça. Allez, moi, je m'en vais. Bisous. Tu t'en vas? Bah oui, je m'en vais, ça y est. Mais attendez, en vrai, il y a Spooky. Elle a raison, il y a que ça à faire là maintenant. Parce que surtout que si les chiens Blue Way et Bingo sont enragés à l'heure de 3h du matin, ça va finir en bain de sang dans toute la maison. Il faut empêcher ça à tout prix, les gars. Ok, je vais préparer ça, les gars. On se retrouve le lendemain matin sans faute. Et let's go. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais regardez, les gars, le Chase de la Pat Patrouille se fait harceler. Mais vous le voyez très très bien, les gars, ça se voit. Il vient carrément de se faire retirer le ballon. Non, mais sérieux. Non, mais ça se fait pas, ils sont sérieux. Mais là, des Niki, ce sont des harceleurs. Mais ouais. Comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part là, les gars, je vous le dis, je suis surexcité. On se retrouve pour une folle vidéo. Là, vraiment, c'est le cas de le dire. Parce que je prévois d'organiser l'ultime rencontre entre les youtubeurs Vlad et Niki et la Pat Patrouille. Oui. Aïe. Je pense que cette vidéo s'annonce très très palpitante, très très excitante surtout, les gars. En tout cas, tous ensemble, on va bien savoir ce qui peut se produire à la suite de cette rencontre. Ça risque d'être vraiment vraiment très très intéressant. Et peut-être même qu'ils vont faire une vidéo ensemble. Ah, oh non, ça serait la folie, les gars. Oui. En attendant, je vais devoir réaliser une petite stratégie pour pouvoir réaliser cette fameuse rencontre spéciale entre les Vlad et Niki et la Pat Patrouille. Et vous inquiétez pas pour ça, j'ai déjà tout prévu. Des petits friandises pour chiens, les gars, avec une petite gamelle personnalisée avec Chase. Et là, regardez, les gars, je suis venu jusqu'à la zone très très fréquentée des Vlad et Niki. Alors là, je vous le dis, je me trouve tout juste sur le City Stade de Vlad et Niki. C'est réellement là où ils passent le plus de leur temps, s'amuser au football et au basket. Et je vous le dis là, pour attirer Chase de la Pat Patrouille, j'ai tout prévu. Allez, on va remplir la gamelle de plein de friandises. Voilà, comme ça, bien rempli, les gars. Et je vais la déposer, simplement, tout juste en dessous du panier de basket. Ce sera très très bien. Oui. Et voilà, tout est prêt, les gars. Je pense que ça pourrait vraiment vraiment attirer toute la Pat Patrouille. C'est le but, les gars. En tout cas là, moi, je vous le dis, je vais pas rester là plus longtemps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement retourner à la voiture et on va observer tout ce qui se passe avec le drone. Et allez, le drone est tout en haut dans les airs, les gars. Et je vous le dis, on va pas se prendre la tête. On va simplement survoler la zone où on a déposé la petite gamelle remplie de friandises. C'est simplement ce qui nous intéresse, les gars. Normalement, ça devrait attirer les chiens de la Pat Patrouille. On l'espère. On croise les doigts. Faut croiser les doigts, les gars. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'il voit là, les gars? Attendez, je zoome, les gars. C'est Chase. Les gars, regardez ça. Mais voilà que ça attire Chase de la Pat Patrouille. Et je crois bien que mon plan fonctionne à merveille. Mais oui, on a vraiment l'arrivée de Chase de la Pat Patrouille, les gars. Alors là, je suis trop fier de moi parce que ça a l'air de véritablement fonctionner. Je veux dire qu'on a véritablement réussi à attirer Chase de la Pat Patrouille jusqu'à la zone très très fréquentée de Vlad et Niki, gros. Regardez là, les gars. Ça l'a attiré
attiré jusqu'au fameux City Stade. On le voit, regardez, il est simplement attiré par les friandises. Allez, bon bah régale-toi bien, oui, régale-toi bien, Chase, tu l'auras mérité, hein. Oui, 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 oui. Ah mais regardez, il est clairement en train de dévorer la gamelle de friandises. Mais, attendez, vous voyez ce que je vois, les gars? Regardez, c'est le Vlad et Nikki, ils sont là. Waouh, d'un coup, ça me fout un coup de stress, là, comme ça, les gars. Je sais pas forcément à quoi on peut s'attendre. Regardez. Regardez ça les gars, c'est moi ou Chase de la Pat Patrouille n'est pas le bienvenu. J'ai l'impression que bah Vlad et Nikki n'ont pas l'air d'apprécier la venue de Chase. On a même carrément l'impression que ça dérange les Vlad et Nikki. Mais oui les gars, regardez. Je crois que ça a l'air même de carrément poser problème. Mais oui, oh, regardez-moi ça. Bah, Vlad et Nikki viennent de confisquer la gamelle de friandises. Non, bah ils sont pas sérieux. Non, attendez, je suis pas d'accord. Pour qu'ils se prennent, pourquoi est-ce qu'ils confisquent la gamelle de friandises? Eh, rendez la gamelle de friandises. Non, non. Oh bah Chase là, je crois qu'il va pas se laisser faire. Non. Je pense que Chase déteste quand on touche à sa nourriture. Mais oui, mais que font Vlad et Nikki, sérieux? Non mais attendez. Non, ils sont pas sérieux. Mais c'est bon, ils viennent carrément de jeter la gamelle de friandise à la poubelle. Non, c'est pas sérieux, ils ont carrément balancé la gamelle à la poubelle. Non. Ah mais non, désolé, mais on jette pas la nourriture comme ça à la poubelle, c'est du gaspillage en plus. Mais non. Oh mon dieu. Alors là, mais pour qui ils se prennent? Ah ouais, mais je pense que Vlad et Nikki ont carrément jeté la gamelle de friandise à la poubelle pour expulser Chase du terrain de basket. Non mais sérieux, non. Ah non, mais là ça se fait pas. Oh, regardez, en plus ça a carrément attristé Chase. Non, mais sérieux. Non. Oh mais franchement, les Vlad et Nikki sont encore et toujours complètement déchaînés. Ils passent leur temps à faire que du mal à tout le monde. Et là surtout que Chase, lui, de la Pat Patrouille, il mérite pas ça. Non, ça se fait pas. Sérieux, que non, je suis pas d'accord. Tiens, bah voilà, bah regardez, je le savais les gars. Voilà qu'on retrouve Vlad et Nikki au terrain de basket. Et ma déduction était bonne. C'était bel et bien pour expulser Chase de la Pat Patrouille. Non mais sérieux quoi. Et bah regardez, maintenant que ça s'envoie des petits paniers. Allez hop, si c'est pas Vlad, c'est Nikki. Et hop. Hop. On a le retour de Chase. Tiens, surprenant quand même, non? Attendez, c'est trop bizarre. Mais à quoi peut-on s'attendre là maintenant, les gars? Je crains le pire. Je ne sais pas pourquoi, je crains le pire, les gars. Mais ouais, hop. Ah bah là, on peut bien comprendre que encore une fois, bah Chase n'est pas le bienvenu. Vlad et Nikki refusent la venue de Chase. Non mais je comprends pas, Chase, il est adorable. Il est toujours là pour apporter sa bonne humeur. Je suppose qu'il voudrait simplement jouer un petit peu au ballon de basket avec Vlad et Nikki. Non, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais regardez les gars, mais Chase de la Pat Patrouille se fait harceler. Mais vous le voyez très très bien les gars, ça se voit. Il vient carrément de se faire retirer le ballon. Non, mais sérieux. Non mais ça se fait pas, ils sont sérieux. Mais Vlad et Nikki, ce sont des harceleurs. Mais ouais. Bah ouais, bah là pour le coup, bah Chase il est attristé et il est en pleurs. Je crois qu'il est carrément en pleurs les gars. Il refuse de jouer avec Chase de la Pat Patrouille et ils l'ont carrément même harcelé. Les gars, mettez plein de pouces bleus pour soutenir Chase de la Pat Patrouille. Il se fait carrément harcelé par Vlad et Nikki. Ah bah maintenant tout se passe au niveau du terrain de football. Je crois que là c'est plus le basket mais c'est le football. Et quoi? Les gars, sérieux? Mais on voit encore une fois Chase de la Pat Patrouille s'aventurer auprès de Vlad et Nikki. Oh non, pas bonne idée du tout. Non bah regardez, mais Vlad et Nikki sont pas d'accord. Mais Vlad et Nikki ne veulent pas du tout fréquenter Chase. Ils le refoulent et ils lui empêchent de prendre le ballon. Et quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer, les gars? Nikki vient carrément d'envoyer le ballon sur Chase. Non, mais sérieux, ils sont mauvais. Non, mais Vlad et Nikki sont très méchants, les gars, aujourd'hui. Mais le harcèlement continue, les gars. Mais désolé, mais bon, les gars, je peux pas laisser faire ça. Non, je peux pas laisser faire ça, moi, les gars. Hey, oh, mon téléphone qui sonne. Attendez, mon téléphone, il est où? Où est mon téléphone? Yo, les gars, Chase, la Pat Patrouille qui m'appelle. Je veux répondre, je veux savoir ce qui se passe. Je réponds. Allô, Chase? Allô, c'est moi, Chase. Rob-Tech, je t'appelle parce que je me fais harceler par Vlad et Nikki. Oh non, pauvre Chase. Oh là là, tu sais quoi, Chase? Ne reste pas là. Ne reste pas auprès des Vlad et Nikki. Ils sont pris d'une mauvaise malédiction. Ils sont très méchants. Ils passent tout leur temps à faire du mal, d'accord? Donc tu quittes la zone et si tu veux, tu peux même venir à la maison. Et d'abord, j'ai plein de petites surprises pour toi. J'ai même plein de friandises. Des friandises?